Là, c'est 3 mois d'Apple TV ou alors sub gift, donc what the fuck? Énorme. C'est quand même pas mal si vous voulez avoir Apple TV, par exemple. Mais si vous voulez pas, bon, c'est sûr, on s'en fout, mais si vous voulez, bah super. C'est fil tap, ça épone, ça est patate chaude, la forme, bah toujours. La super méga forme, quoi de bien sur Apple TV? Je sais pas. En vrai, j'ai pas Apple TV. Hein. Alors, c'est quoi la truc? Je lis exactement de quoi il en retourne. Ok. Quand vous subez, tout simplement un sub. Ouais, peu importe le sub. Après, je suppose que c'est pas les subprimes. Je suppose que c'est un truc normal et vous avez un truc dans votre boîte à sub qui, enfin votre boîte de message de sub qui vous dit hey, bienvenue et voici votre code pour les 3 mois de Apple TV. Donc voilà, super sensas. En tout cas, j'espère que merde, ton micro est un peu loin de moi. Sur mon setup streaming maquette d'anniversaire, ça va devenir contre créateur, t'as bien raison. On va se régaler, demain c'est Teddy. Demain c'est Teddy. Tomorrow it's Teddy. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Attends, tu me poses la question, qu'est-ce qu'on fait ce soir? T'as pas lu le titre ou quoi? T'as pas lu le titre du live? Ce soir on boit du holy. Oh je suis bon. Je suis putain de bon. Ce soir on boit du holy à donf. Mais je suis un monstre par contre. I'm just a monster. Et quand c'est frais, c'est sans sas. Oli! Deadpool 7, tu m'étonnes, corpo. Eh ouais, j'ai été voir les 7 samouraïs cet après-midi. Bon, j'en parlerai pas tout de suite. Il faut que ça revienne un petit peu à froid. Mais là, attention, j'ai pas mal de films. Et là, je commence à rattraper. Hein. On n'est plus que. Aujourd'hui, je vais me faire mai-juin. Je vais me faire les mois de mai-juin. Et comme ça, bah. Prochain, je fais juillet. Juillet, j'ai pas mal de films hein, par rapport à mai et juin. J'ai presque autant de films en juillet qu'en mai et juin confondus. Le sosie d'un tueur français atroce. Ça arrive. Mort de rire, Paris, Texas. Le mec, il me dit qu'il se pose une demande si je l'ai pas vu. C'est bien sûr que je l'ai vu. Non, mais oh. Salut Dassim. Remis au film aujourd'hui. Ah bah, il était temps. Je suis mort de rire. Bref. C'est l'heure. Aujourd'hui, Long Legs, j'ai bien aimé. Bah, tant mieux, hein. Moi j'avoue que j'ai un peu la flemme de le regarder. Ou alors j'attendrai qu'il soit dispo sur plateforme de streaming, pour être tout à fait honnête avec vous. Ah, pourquoi pas Godzilla? J'en ai jamais entendu parler, c'était un film qui pourrait éventuellement me plaire. J'aime bien ce genre de truc, donc pourquoi pas? Pro et dernier Deadpool, ça a dit qu'il bousillait le MCU. Bousillait dans quel sens? Attendez. Bousillait dans quel sens? Genre en mode ça détruit ou dans le mode. Enfin, genre ça le détruit dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Parce que ce qui est sûr, c'est que c'est. Enfin, ça détruit l'industrie du cinéma. Pas besoin d'en parler plus, hein. Je pense que je vais le regarder Luxray. Parce que ce Blubliclix 30, il m'intéresse pas mal. Bref. Premier film, Short Sharp Shock ou Engrenage, je crois, le titre français. Je crois que c'est un des titres français, je vérifie. Releases. Il n'est pas sorti en France. Alors, les autres titres, donc, L'Engrenage, voilà, en français. C'est un film c'est allemand, voilà. C'est allemand. Et en fait, on est sur un mec qui vient de sortir de prison, tout simplement. Et donc, qui retrouve bah, donc, ses potes, sa famille, etc. Et qui retrouve tout simplement en fait, sa vie d'antan, quoi. Il revient à sa vie de là où il l'avait laissé.
Mais sauf qu'il décide du coup bah, de laisser tomber de côté tout ce qui était truanderie, etc. Et il décide, comment dire, tout simplement de bah, devenir taximan, enfin conducteur de taxi pour voilà quoi, se racheter une vie normale. Sauf que, comment dire, le problème c'est que il a beau avoir lui laissé ses amis évoluer, ses amis qui sont restés, qui sont pas tombés pour braquage ou quoi que ce soit, enfin je sais plus exactement quelles sont les conditions exactes de son, comment dire, de sa mise en prison. Eux, ils ont pas évolué quoi concrètement, et donc du coup ça va le, bah voilà, il va se passer des choses qui vont actionner l'engrenage. Donc c'est, moi je trouve que le titre français est plutôt correct, plutôt appréciable. Après Short Sharp Shock c'est correct aussi, mais effectivement il va se retrouver un peu malgré lui engrainé dans des affaires qui vont mal se terminer, très mal se terminer. Ah ouais, ça engrène pas mal. Donc ouais, c'est plutôt, c'est très simple, mais c'est bien filmé. C'est très joli, il y a vraiment un vrai travail de caméra. Bah, course, Schmerlos, c'est de l'allemand, hein, je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais... Mais voilà. Et du coup, effectivement, le film est bien réalisé. Vraiment très bien réalisé, les personnages sont intéressants, attachants pour la plupart. C'est assez amusant, assez, on se fait très rapidement emporter dans le film. On est facilement, comment dire, mis dans les personnages, tout simplement. On les apprécie assez rapidement, sans même avoir besoin d'un grand, comment dire, grand moment pour les connaître. Parce que le film, je crois, il ne fait que 100 minutes, donc que 1h40, ce qui n'est pas beaucoup, je trouve. Et ça passe très rapidement, je trouve. Et puis voilà quoi, tout simplement. Je crois que j'avoue que je n'ai pas plus beaucoup plus de choses à dire que ça. Hein. J'avoue que cinéma allemand, c'est pas un cinéma dont je suis le plus comment dire friand. Après, c'est intéressant du coup pour voir à quoi ressemblait effectivement l'Allemagne au début de ses, enfin, fin de ses années 90, début de ses années 2000. Et donc effectivement, on a ces aspects des boîtes techno. De cette, comment dire, de cette espèce de grand banditisme, de cette mafia, etc., qui semble s'installer, des personnages qui sont présents, des petits couteaux, en fait, c'est plein de choses qui sont présentes dans beaucoup d'autres, comment, dans beaucoup d'autres pays, en fait, finalement, mais voir que ça, c'est également présent en Allemagne, qui est un pays que je ne connais pas du tout. Par contre, ça a l'air sympa, quoi, comme le film le présente par moment. Ouais, mais j'avoue, Blidor, je l'ai pas vu. Fritz Lang, j'ai vu que... Enfin, j'avais commencé Metropolis et j'avais dû l'arrêter. Du coup, je l'ai pas repris, donc faudrait que je le recommence. Enfin, je le revois. Mais j'avais bien aimé. Ouais, j'ai le temps, tranquillement. Un petit film de temps en temps. Succession, bah, c'est super, mec. Moi, j'avoue que j'ai pas lancé et j'avoue que je sais pas si je regarderai parce que je n'ai pas grand-chose à faire. Puis j'ai la flemme de lancer une série. Exactement, Ismaël. Wim Wenders, il est allemand, non? Oui, mais bon, la plupart de ces films, comment dire, ne se passent pas du tout ni en Allemagne. Enfin, je mens complètement, je ne sais pas exactement tout du tout de Wim Wenders. Ce que je sais, c'est qu'effectivement... Ouais, si, il a fait partie de la nouvelle image du cinéma allemand. Tiens, c'est marrant parce que Until the End of the World, il me fait penser à un autre poster. Attends, il faut que j'aille dans ma watchlist pour le voir. Non, mais j'ai pas regardé assez de Wim Wenders, donc je peux pas dire concrètement. J'ai vu que ces films qui se sont pas passés du tout en Allemagne. Où est-ce qu'il est ce poster de film? Voilà, Black Rainbow. C'est marrant, on dirait qu'ils se complètent les deux. Genre avec la... L'affiche comme si elle se répondait. Marrant. Je sais pas ce que ça vaut ça. J'avoue que j'ai watchlist juste parce que l'affiche était jolie. Les ailes du désir sur Netflix. Eh bah c'est bien. Bah pourquoi pas Carlos, mais je n'ai pas d'idée pour le moment. Concrète et j'ai pas de projet de réaliser un film actuellement quoi. Je l'ai peut-être un petit peu surnoté parce que j'avais été un petit peu surpris.
Peut-être que maintenant, à froid, je lui mettrais 3,5. Tiens, je vais remettre 3,5. Mais parce qu'il m'a pas plus marqué que ça. Mais franchement, ça reste un film vachement sympa. Ah bah c'est connu quand même, Chiraki, sans vouloir être désagréable. Mais The Wave, c'est vraiment un film qui est vachement connu. Enfin, tout le monde l'a vu, non, au Cinoche. Tout le monde l'a vu, comment dire. J'ai l'impression que tout le monde l'a vu à l'école, ouais. All time. J'avoue que Dancer in the Dark, c'était quelque chose. Dancer in the Dark, vu au Cinoche, ça m'a. Dog Day Afternoon au ciné, la super méga classe. Carlos veut voir tes films. Eh ben, quel film? Parce que je sais que enfin, on en avait co-réalisé quand j'étais gamin. Ah, je savais pas vu que je viens du Luxembourg. Ah ouais, et au Luxembourg ça en parle pas. Parce que ça reste en Europe. Ah, c'est vrai que j'ai fait Swank et que j'ai fait The Man vs Farm. N'hésite pas à aller voir sur ma chaîne YouTube. Le film Cop de James B. Harris. Ah non, ça je connais pas du tout. James B. Harris, c'est quoi ça? C'est Pedro. Ah ouais, non, mais Dancer in the Dark de Björk, j'ai bien chialé ma race. Oh là là. Il a fait Lolita? Ah non, c'est un producteur. Putain la vache. Mais toi c'est James Woods? Putain la vache, je pensais que c'était enfin, James Woods. J'ai vraiment pensé que c'était, comment dire, Rush Hider. Putain, il a exactement la même tronche, enculé. C'est peut-être pour ça qu'il a été pris, hein. Mais on dirait vraiment Rush Hider, pourquoi est-ce que. Il est pas dans le film? Mais c'est exactement la même tronche. Le lendemain encore avec des yeux tellement gonflés, tellement j'ai pleuré, mes potes sont foutus de ma gueule, logique. Max et les Farrières de sauter. Max et les Farrières. Je note, hein, mais. Il n'y a qu'un seul. Mince. Max et les. Ah oui, non, mais sauter. Je suis con, quoi. Combien de terres au nord? Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Chez moi, il fait combien là? J'avoue que je sais pas combien il fait. 23 il fait là. Putain le rêve. Mais quel bonheur. Max et les Farrières. Bon, je trouve pas le film. Pourquoi je le trouve pas? Ça m'a l'air vieux. C'est un film franco-italien? Connais pas. Ah oui, Ferrailleur. Pardon. Max and the Junkman. Je connais pas du tout. Détective parisien, disant, frustré par les gangs qui ne peuvent pas s'attraper. Bon, pourquoi pas? C'est vrai que l'affiche est jolie. Enfin bref. Short Sharp Shock, c'était cool. Attendez, je vais passer direct. Hop. Sinon, on va pas se retrouver. Un homme et une femme. Je connais pas. Non, j'en ai pas encore parlé à Matt Dodley, mais je vais attendre avant d'en parler parce que j'ai. Bon, j'ai le temps, quoi. Nouveau Ultraman animé, j'ai pas regardé. Pour le moment, je regarde pas trop d'animé récemment. City Hunter version FR, je l'ai pas vu. J'avoue que il m'intéresse pas. Enfin, il m'attire pas plus que ça du tout. Alors que celui-ci, bah, je sais pas, c'était marrant. Honnêtement, c'était marrant. Les scènes d'action étaient correctement chorégraphiées. Bon, j'étais dedans, quoi. Puis dernièrement, j'avais lu pas mal de Tsukasa Ojo. Et je me disais, bah, ça le fait, quoi. L'ours, ouais. J'avais bien aimé, mais c'était quand j'étais petit, faudrait que je l'envoie. Coucou Mimi!
dit Skibidi Toilette, mais qu'ils aillent se faire enculer. Un homme et une femme, c'est avec Anouk Aimée, celle qui est morte récemment, et Jean-Luc Trintignant. Bah, je l'ai pas vu. Nicky Larson, on dirait. Ah bon? What? What the fuck? Regarde Furious Jumper à 15 ans. Bah non, c'est l'âge moyen de ses viewers, fils de KZ. Genre, je pense que avoir... Enfin, regarder Furious Jumper passer 15 ans, oui, là, c'est grave. Mais... 15 ans, ça peut aller encore, quoi. C'est vraiment la moyenne... Le minimum, enfin le maximum. Mais du coup, ouais, City Hunter, bon, bah voilà, classique, hein, avec une histoire classique. Truc scénario qui dépasse un petit peu le côté. Enfin, qui dépasse un petit peu le réel, mais sans pour autant être absolument impossible, ce qui est totalement dans la lignée de ce qu'il peut écrire en général Tsukasa Ojo. Ah non, mais apparemment, il est pas dégueu, Articodin, vu ce qu'on me dit. Mais celui-là était correct aussi, hein. Je trouvais ça marrant, il y a des scènes assez marrantes. On est dans le personnage, quoi. Donc, à voir, faut voir celui de... Ouais, c'est ça, voilà, amusant, divertissant, ridicule, débile. Et assez chorégraphié, assez bien chorégraphié. Mais c'est à peu près tout. Et j'avoue qu'il y a des trucs qui m'ont bien fait rigoler, du coup, c'est pour ça que j'ai mis une demi-étoile en plus. Non, la Sinister, ça m'a... je veux dire, l'animé plutôt, il m'a pas plu. Pas plu du tout. Sportif, non. Enfin, pas beaucoup. J'en fais pas trop. Alors, ça, donc du coup, c'est de Khmer Rouge Killing Machine. C'est un documentaire, donc, effectivement, qui... comment dire, se base, du coup, sur les massacres et le génocide... Khmer, qui a eu lieu dans les années... c'était 80, je crois. J'avoue que je suis très nul pour rattraper des, me rappeler des chiffres. Je suis pas capable de mettre de notes au docu. 70, ouais, c'est ça, c'est au début des... Enfin, suite à Pol Pot. Et c'est assez difficile à regarder. C'est, franchement, en fait, c'est très bien, moi, je trouve, bien réalisé. C'est vraiment intéressant la façon dont c'est fait, effectivement, en présentant d'abord des prisonniers, en fait, des prisonniers qui ont rescapé à ça, donc à ce génocide qui est absolument effrayant. Hein. C'est des millions de gens qui ont été tués. Et ensuite, on passe sur les, comment dire, les geôliers, les gardiens de ces prisons qui, eux, à l'époque, étaient entre... Enfin, c'était des gamins, quoi. Et des gamins qui étaient, mais... Enfin, qui tuaient, qui maltraitaient, qui créait des faux, comment dire, c'était les faux commentaires de l'époque. La blague est trop pourrie, je retire ce que j'ai dit. Mais c'était vraiment, il falsifiait des documents pour pouvoir tuer des gens, en fait. C'est horrible, tout simplement. En fait, le truc, c'est que c'est difficile à présenter, c'est juste absolument horrible, quoi. C'est juste horrible. C'est difficile juste d'être capable de mettre, comment dire, les mots dessus, en fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont les prisonniers les prisonniers ne tiennent pas rigueur, du moins pas a priori, en parlant aux gardiens, parce que ils parlent à des gens qui ont tué d'autres gens qu'ils connaissaient. Donc littéralement, hein, vraiment, il parle à des tueurs, mais des gens de sang-froid, hein, qui tuaient de sang-froid, qui étaient juste des monstres. Hein, puis il y avait des trucs, c'est vraiment des exécutions sommaires. Il y a eu beaucoup de champs de travail forcés dans lesquels ils étaient absolument... c'est terrible, quoi. C'est juste terrible, c'est difficile à... C'est difficile à imaginer, en fait, la plupart du temps. Et effectivement, il y a des trucs où le réalisateur du documentaire dit aux gardiens de reproduire comment ils faisaient pour s'occuper des prisonniers. Et tu te dis, mais c'est lunaire. Et les gens se rendent pas compte jusqu'à ce qu'en fait, ils soient face aux prisonniers. Il y en a beaucoup qui détournent le regard, mais incapables de dire. Mais en même temps, ils disent à chaque fois la même chose. On était sous les ordres, quoi. On était sous les ordres, on était sous les ordres. On pouvait pas désobéir. Et l'autre, il lui dit, est-ce que vous étiez vraiment... vous vous rendiez pas compte que vous faisiez quelque chose d'horrible? Ils disent, non, on était sous les ordres. Tu te dis, mais c'est absolument effrayant.
Et effectivement, il. Oui, probablement Chirac. Et il va très souvent, comment dire, l'expliquer. Lui, son objectif, c'est d'essayer de comprendre, en fait. Tout simplement de comprendre pourquoi c'est arrivé, comment c'est possible. On peut le voir où? Moi, je l'ai trouvé sur YouTube. J'ai pas envie de répondre à cette question, potato, parce que ça m'arrivera jamais, je pense. Donc, c'est pas une question que j'ai envie de répondre. Et du coup, ouais, c'est Letterboxd Extra. C'est la donne, c'est celui-ci, Letterboxd Extra. C'est impossible de répondre à cette question, quoi. Ouais, non, mais il y a des moments où le gardien ne dit lui-même, c'est absolument pas des humains, quoi. Pour eux, c'est presque du bétail. Il les entasse dans des pièces, il les maltraite. Il est torture pour un oui ou pour un non. Littéralement, en fait, les gens sont dispensables, en fait. Sont absolument dispensables. Et les gens sont, en fait, on fomente tout le temps des choses, des papiers pour les faire passer pour des criminels. Et aussi, tout le temps, contre des. Comment ça s'appelle? Des révolutionnaires, en fait. Des gens qui vont contre l'État de l'époque qui était. Notamment, il y avait Pol Pot et comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom. Wow, purée. Merci, Gravity. J'ai le nom d'un autre, comment dire. Dirigeant de prison où vraiment les mecs. Enfin, ils faisaient que ça. Ouais, il y a Mao. Non, pas que Mao. Mais non, mais c'est pas. C'est Ho Chi Minh. Je crois que c'est ça qui va. Effectivement. Mais pas Mao, non, c'est Pol Pot. Et donc, du coup, après, je crois que c'est des conséquences. Et en fait, ouais, c'est vraiment. Ils mettent. Ouais, non, mais il n'y a aucune raison, Xav le Slave. C'est pour ça que c'est assez effrayant. Mais en fait, ils font toujours les trucs, ils disent. Ben, quand il leur donne. Enfin, le prisonnier leur montre les papiers sur lesquels c'est écrit, en fait, les raisons pour lesquelles les personnes étaient emprisonnées. T'as, comment dire, des fois, des gens qui sont illettrés, analphabètes, à qui ils ont fait écrire des lettres dans lesquelles ils faisaient un aveu. Et tu te dis, enfin, comment ils disent, comment c'est possible qu'elle ait écrit ça? Et les gens disent, bah non, mais ils nous l'ont dit, c'est ça, etc. Tu te dis, mais c'est assez effrayant. Et du coup, je trouve que c'est bien réalisé dans la façon où on a d'abord les prisonniers qu'on voit qui parlent. Et enfin, c'est évidemment très tourné sur le pathos, mais c'est logique parce que ces gens-là, ils ont vécu quelque chose d'absolument horrible et ils en parlent et disent, voilà, c'est là où on était emprisonné, c'est là où on a vu des gens mourir. Et de l'autre côté, tu vois l'absolue froideur des gardiens et la façon dont, comment dire, ils sont. Enfin, ils recréent des scènes, ils expliquent des trucs, mais c'est aberrant, quoi. C'est aberrant, ces mecs-là n'ont pas d'âme, quoi. Ah ouais, non, ça fait quelque chose, ça. Et à la fin, en fait, du coup, le film les met face à face, quoi. Et d'un côté, il y a ceux qui sont absolument incapables d'assumer et qui se rendent pas compte, enfin, ils vont dire tout le temps la même chose, quoi. On ne savait pas, on était obligé d'obéir. Et de l'autre côté, ceux qui disent bah, pourquoi, enfin, qui veulent comprendre, quoi. Et en fait, le problème, c'est que. Comment tu. C'est incompréhensible, en fait. Et le problème, c'est que ça continue à se reproduire. Des actions aussi horribles, quoi. Je veux dire. On a l'exemple aujourd'hui avec la Palestine, c'est un génocide, c'est les termes, et pourtant et ça s'est passé avant, ça s'est passé il y a 20 ans, 30 ans, 100 ans, et ça continue, quoi. Ouais, les gardiens vont reproduire les mises en scène. C'est-à-dire qu'en gros, les gardiens, ils vont reproduire une journée où comment ils faisaient leur garde. Et tu te dis, mais enfin, ils ont aucune honte à refaire leurs actions, quoi, à refaire comment ils faisaient. Je dis, c'est terrible. Ah ouais, non, mais j'ai vu ça, Pirogue, c'est. Enfin, c'est aberrant, ça donne vraiment la gerbe, quoi. Et du coup, absolument, totalement macabre. Et les vrais gardiens, oui, Corpo, c'est vraiment les personnes, parce qu'en fait, c'était vraiment des gamins de 13-14 ans, quoi. Et donc, oui, ça s'est passé dans les fins des années 70 jusqu'à 80. Enfin, c'est dans les années 70-80, quoi. C'est ça qui est ouf, dans les années 70-80. C'était il y a vraiment pas si longtemps. Et ça recommence aujourd'hui, c'est. C'est ouf, quoi. C'est absolument ouf. C'est absolument ouf. Mais t'as des trucs tarés en boucle, quoi. Donc vraiment, mais c'est fascinant.
Mais c'est absolument terrifiant, quoi. Et c'est se dire, mais comment c'est possible que des humains. Enfin, comment c'est possible, quoi? C'est ouf. Terrible. Et c'était vraiment des gamins, surtout. Hein. Des gamins de 13-14 ans qui violaient, tuaient et battaient. Enfin, tuaient des gosses, tout. C'est terrible, quoi. Tu te dis, mais comment c'est possible, tout simplement? Terrible. Donc voilà. Oui, je vais te donner. Je l'ai pas vu. Hein. Aloïs, qu'est-ce que. Vice Versa 2, mais va te faire foutre. Plus t'es jeune, plus t'es influençable. Non, mais bien sûr, The Potato, mais. Y a pas que des jeunes. Puis, enfin, on n'est pas là pour faire leur procès et ça justifie absolument rien, quoi. Sans déconner. Je suis désolé, jamais de la vie. Puis même quand t'es gamin, tu te dis pas, bon, bah, C'est de l'endoctrinement, c'est certes, c'est ils sont pas entièrement responsables, mais quand bien même, tu vois, genre t'es un enfant, tu tues quelqu'un. Même un adulte, quoi, parce qu'il y avait des adultes aussi, c'est terrible. Bref, voilà, c'est fascinant, c'est important. Après, Wally, le contexte qu'on a nous ne sera jamais le même. Si tout le monde le fait autour de toi, tu vas trouver ça normal. Je t'en supplie, arrête d'essayer de trouver des excuses. Pourquoi t'essaies de trouver des excuses à des gens qui ont tué, violé et réduit en cendres des gens, littéralement? J'entends ton avis et j'entends qu'on peut rentrer dans le mindset, mais pourquoi est-ce que tu essaies de. Y a pas de. Je suis d'accord avec toi, mais c'est impossible, quoi. Ça dépasse l'entendement, en fait. Ça dépasse complètement l'entendement. Je comprends pas que. C'est juste à vomir, quoi. Y a pas de oui, bah non, ils se rendaient pas compte. D'accord, mais ils ont quand même tué des gens. Je m'en fous. Je suis désolé, je comprends pas, là. Enfin, bref. C'est important à regarder, je trouve. Je défends pas, mais c'est pour ça que c'est arrivé. Oui, certes, mais la façon dont tu le dis, c'est là en boucle, t'es là, genre. Non, mais c'est pas. Enfin, presque, t'es presque en train de dire que c'est pas de leur faute, quoi. Sans déconner. Et non, si tout le monde le fait, je vais pas trouver ça normal. Hein. Tout le monde aime Marvel, c'est pas pour autant que je trouve ça normal. Des fois, c'est juste une question. C'est horrible, c'est absolument pas normal. Merde, les conditions dans lesquelles ça s'est passé. C'est pas normal d'ailleurs que qu'ils aient trouvé ça normal. Il n'y a rien de normal là-dedans, quoi. Film marquant cette année, j'ai pas vu de film de 2024 quasiment. Bref. Passons. Mais en tout cas, ouais, regardez-le, c'est important, quoi. Orca. Orca de Michael Anderson. Michael Anderson qui a fait Logan's Run 1984. Et le monde, tour du monde en 80 jours. Oh, merci Damofly. Damofly. Bon, il a pas l'air d'avoir fait de film plus notoire que ça. Pourtant, ça a l'air joli, ça, dis donc. Jolie image. Il y avait des résistances. Oui, évidemment. Bah oui, en plus, c'est logique. Mais une résistance qui était absolument réduite à néant, quoi. Dès qu'un mec était résistant, bah c'est prison et mort. Parce qu'ils étaient pas nourris, quoi. Ok, il a fait rien fait de notoire en fait ce mec Michael Anderson, mais je trouve que en fait son Orca c'est d'ailleurs je vais passer une des musiques du film que j'ai trouvé trop cool parce que c'est comment il s'appelle déjà Orca. C'est Ennio Morricone qui a la bande originale du film. Je trouve ça dingue. Ennio Morricone. Genre, c'est Ennio Morricone qui a fait la bande originale, enfin, du film. Si je m'y attendais pas du tout. Mais elle est trop cool. C'est Tio. Hey. Merci pour le sub. Notre film depuis la prison. Non, là, je viens d'arriver du coup à Orca. Dingue. Et j'avoue que je la passe pas, elle sera pas en live, mais c'est celle-ci, la bande originale de Orca.
J'étais sous le choc, honnêtement. Elle est superbe. Elle est superbe. Ennio Morricone, il est vraiment trop fort, quoi. Je trouve ça impressionnant. Et donc, effectivement, Orca, c'est un film d'action, quoi. Un petit peu action-aventure. On pourrait facilement le comparer à Aux Dents de la Mer, quoi. Parce qu'effectivement, c'est encore un animal marin qui va, tout simplement... être pourchassé en bateau, quoi, et qu'il y aura donc un destin tragique où ils vont se battre l'un et l'autre. Mais ça reste un peu différent parce que je trouve que là où dans Jaws on a vraiment davantage la poursuite, comment dire, les mecs qui sont vraiment victimes et aussi l'impact qu'il a sur le truc qui est mis, comment dire, en parallèle avec le capitalisme qui a un gros problème, etc., les requins, etc. Ici, c'est vraiment plus un duel entre un humain et... juste un humain et le killer whale, quoi, l'orque. Et en fait, tout le film se déroule comme ça, un petit peu comme une espèce de western entre un mec qui veut absolument tuer un orque. Parce qu'il a, il l'a chassé à la base, quoi. En fait, parce que il a chassé un orque. Ensuite, l'orque s'est rendu compte que c'est son enfant. Il l'a pourchassé. Il a fait des dégâts. Il a tué quelqu'un. Et donc, du coup, l'homme, il se dit, bah, c'est entre lui et moi, quoi. C'est moi qui le veux. Et donc, t'as ce truc. Bon, hein, c'est un peu ridicule. Hein, on va pas se mentir. Mais en vrai de vrai, il y a des plans sympas. Il y a des passages sympas dans Orca. Donc, franchement. C'est assez marrant. C'est assez sympa, quoi. C'est franchement, c'est pas fou, quoi. Mais ça se regarde plutôt bien et c'est une surprise. Une petite surprise. Puis c'est surtout la bande originale qui est surprenante, quoi. Moi, j'avoue que être accueilli par Ennio Morricone qui fait une bande originale aussi soignée, c'est vraiment magnifique. Et donc, où est-ce que ça se passe? Ça se passe Newfoundland. Newfoundland. Je sais pas. C'est dans un port, quoi. Et c'est comment dire, un pêcheur qui décide, voilà, qui va la tuer, quoi. Enfin, le scénario est plan-plan, quoi. C'est pas fou. Ouais, mais Terre-Neuve, je sais pas où c'est. Mais ça, un petit peu cet aspect vraiment plus de duel, avec des aspects ridicules quand même par moment, et pas très bien fait, pas toujours super bien réalisé, mais ça reste sympa, quoi. C'est franchement, ça se regarde. Ça se regarde. Tout simplement. Ça se regarde bien. Mais c'est surtout moi, c'est surtout la bande originale qui m'a fait mettre des points en plus, hein, je vais pas vous mentir. Bon, ça là, c'est une catastrophe. Canada. Bon, voilà, ça se passe au Canada. Ça, mais c'est une catastrophe atomique, quoi. Oh, oh là 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 là. Ouais, Maxine, moi, ça me donne pas du tout envie. Parce que Pearl et X, j'ai pas aimé du tout. Enfin, j'ai trouvé ça chiant. Je trouvais ça chiant, ridicule et faussement. Faussement. Ironique, en fait. Ça critique, ça se veut, comment dire, un petit peu. Parodique sur certains points, mais ça tombe exactement dans le genre sans jamais faire d'écart. Enfin, je supporte pas Mia Goth, je trouve qu'elle joue pas bien du tout, quoi. Mia Goth, c'est très désagréable. Dur le 1 étoile, je vais pas vous mentir, hein. Le film est noté 1,9, hein. Mais c'est une véritable merde, ce film, quoi. C'est Fischer, là, 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 là. En fait, c'est une suite effectivement à Starship Troopers qui est tournée un petit peu en huis clos, mais on sait exactement pourquoi c'est tourné en huis clos.
C'est que en fait, y a aucun moyen. Je sais même pas pourquoi Phil Tippett a accepté de faire ça, quoi. Je pense que c'est juste en mode, ils lui ont dit, bon, vas-y, vas-y, mon vieux. On a voulu lancer un film, mais on a personne. On a personne pour le faire, quoi. On a absolument personne pour faire notre film. Je t'en supplie, fais-le, quoi. C'est une cata, quoi. C'est Marianne. Niagoth qui frappe des figurants, mais Synesthésie continue à se toucher dessus. Eh ben. Non, mais c'est surtout qu'elle a un jeu qui est absolument ennuyant et que. Moi, elle m'intéresse pas, quoi. Personnellement. Non, mais le poster de base est trop drôle. Le poster. Moi, j'ai mis un poster comme celui-ci parce que je me suis dit, ok, ça change. Mais le poster de base, sans déconner, mais quelle horreur. C'est un Photoshop dégueulasse, quoi. Ils ont même pas les casques dans la. Ils ont même pas les casques dans le film. Ils les ont jamais. Oh, encore le papillon. Dis donc, toi, je t'ai déjà vu hier. Qu'est-ce que tu fais là encore? Je vous jure, c'est une mini ACCB. Vraiment, hein. Ouais, t'as tout dit, mon. Alors que celle-là. Celle japonaise. Bon, bah, classique sans sas. Ça donnerait presque envie de le voir. C'est un film de cul? Non. Pourtant, je me suis bien fait baiser. Ah, je suis bon. Je suis bon en. Je suis bon. Mais du coup, ouais, c'est. En fait, c'est tourné à l'intérieur d'une caserne dans laquelle les troopers se sont enfermés pour se protéger d'une attaque d'ennemis. Et en fait, finalement, l'ennemi va venir de l'intérieur, quoi. Il y a une infection. Mais c'est extrêmement mal amené, extrêmement mal présenté, extrêmement mal joué. Oh là 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 là, c'est nul de A à Z, quoi. C'est franchement. En fait, on est limite dans le Z, justement. C'est plus un Z qu'autre chose. C'est plus un film. Le film n'est absolument pas correct sur aucun point. La lumière, c'est une catastrophe. Ouais, enfin, encore une fois, l'acting, c'est une catastrophe. La mise en scène est catastrophique. Enfin, en fait, je souligne quand même l'effort d'avoir mis dans l'obscurité pour justement cacher que les décors sont absolument catastrophiques. C'est. J'ai mis un parce que j'ai quand même rigolé par moments tellement c'était nul, quoi. Bah, le 1, il est sympa. Enfin, vous voyez, c'est très bien que c'est un film satirique. Une véritable parodie du genre et surtout des films de héros et avec les personnages héroïques quoi. En fait, c'est juste présenté en fait des héros, enfin des humains à visage héroïque parfait quoi, l'Américain parfait et tout simplement les voir se faire démonter quoi, détruire littéralement. Super énorme si. Pour la première fois, Dog Day Afternoon de Sidney Lumet, j'ai vraiment aimé, je conseille le film à tout le monde. Et bien, t'as bien raison. Moi, j'avais été vraiment surpris par Dog Day Afternoon. Ne serait-ce que par Al Pacino, mais également par John Cazale, qui sont deux acteurs superbes. Bonne soirée, Chiraki. T'aimes parfois les films nuls, genre de par son atrocité, tu l'aimes. Ouais. Franchement, j'adore regarder des films pourris. Hein. Moi, je l'avoue, je l'avoue. Mais il y a un truc à pas dépasser. Mais parce que c'est des films, je sais qu'ils sont pourris et je sais qu'ils ont des intentions derrière qui sont pas les mêmes. C'est-à-dire que un Marvel, c'est un film de merde, mais les intentions derrière sont mauvaises. Genre, c'est purement mercantile, purement et uniquement pour vous faire cracher votre argent, c'est tout. Ça n'a aucun intérêt sinon. C'est pas intéressant, tu tires rien d'un Marvel. Je suis désolé, mais si vous avez trouvé que la morale dans Guardian of the Galaxy 3 était bien, était intéressante. Mais sans déconner, quoi. Enfin, je suis désolé, mais. Enfin, c'est tellement bas de plafond, ça me. C'est vexant, en fait, de se dire, enfin, ah ouais, on me prend pour un con à ce point-là, quoi. Genre, c'est pas bien de maltraiter les animaux. D'accord, bah, j'étais pas au courant, fils de pute. Sans déconner, quoi. Mais on me prend les. Enfin, ils prennent les gens pour des cons à un point, c'est. Oh là là! Ah ouais, stop it now! Franchement. Et pour moi, ça, c'est des films de merde que j'aime pas voir, quoi. En tout cas, que j'irai jamais voir au cinéma. Alors que des films de merde comme ceux-ci, où tu dis, bon, voilà, c'est pourri, mais c'est marrant parce que c'est pourri. Alors que c'est juste triste à quel point c'est pourri, les Marvel. Donc voilà. House, t'aimes bien le kitsch? Ah, j'adore House. Je surkiffe le kitsch de House. C'est un truc que j'adore dans les films, le kitsch, notamment qu'on retrouve pas mal dans des films chinois. Des films, c'est un genre un petit peu propre à eux, hein, les films
horreur drama, enfin horreur comédie horreur, film comédie horreur chinois, ils sont exceptionnels. Ça met une vitesse à tout ce qui est scary movie, c'est lunaire. J'ai vu Dog Day parce que c'était passé dans la série Mindhunter. Ah ouais? Roman Holiday, je connais pas. Pour les trajets en voiture? Peu importe, hein, tout film est à regarder. Des recos de films nuls? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, Terminator Ninja. Terminator Ninja. Oh, donc ça, je pense, on n'a pas besoin d'en parler plus, hein, Starship Troopers, il n'y a rien d'autre à dire, mais. Oh là 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 là. Enfin, Ninja Terminator. Fitipet rattrape pas le film. Non, pas du tout, Zetex. Il n'y a quasiment aucun travail de. Sharknado, j'ai pas vu. Ça me. Bon. Même, non, mais même tout ce qui est truc, c'est. Comment ça s'appelle comment ça s'appelle déjà? Thanksgiving. Oh là 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 là. Stream, moi, je me suis fait Boogie Night en 4K. Bah, ma vie, génial, tu m'étonnes. Qui dit bien dosé, c'est exceptionnel. Attendez, je veux juste faire un truc pour éviter d'avoir des insectes dans ma chambre. Il est sur YouTube? Je sais pas, moi je l'ai regardé sur Streamio. Top 3 réel, j'ai pas de top 3. Hop. Il y a une YouTube qui parle des films de monstres, des fois, et bien, enfin, bon et mauvais. Moi j'aime bien. Hein. Juste nul sans rien, Fast and Furious 10. Tant vouloir, c'est un genre juste zéro. Non mais c'est énervant, hein, les films nuls. Hein. Franchement, ça m'énerve beaucoup. Non mais un trajet ballon, je suis désolé, mais je sais pas. Enfin, n'importe quel film est bon à regarder. Hein. Mais. Ta ta ta, Scarecrow, non. Attends, je vais regarder vite fait. Je veux juste parler de Terminator Ninja en léger. Bon, allez, je watch this. Il y a Al Pacino, ça me suffit. Puis on a un autre de 84. Ah bah, je le mets aussi. Je mets les deux. Il y en a un de 2001. Bon, je le mets aussi. Je mets tout. Bref. Ta 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 ta. Et donc, du coup, ouais, Ninja Terminator, c'est vraiment nul, quoi. C'est nul à chier, quoi. C'est pourri. Franchement, c'est trop mal joué. C'est mal filmé. Le montage est pourri. Les cuts sont pourris, quoi. Les musiques sont pourries. Les scènes d'action sont trop marrantes, du coup. Parce que c'est trop mal fait. Mais c'est de là que ça vient, la vidéo que je vous avais montré, hein, la triple claque là. Mais c'est juste trop drôle quoi. En fait, c'est trop trop drôle parce que c'est trop trop nul. Mais ça, c'est des gens qui ont du goût. Regardez-moi ce pic à 5 étoiles. Les gens, ils savent très bien. Les gens, ils savent très bien. Genre, les gens, ils savent très bien que c'est un minimum 5 étoiles parce que c'est un classique. Effectivement, il y a les scènes avec le. Non, mais la scène avec le téléphone Garfield. Tu dis, par moment, tu dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce film? Pourquoi il a un téléphone Garfield, quoi? Genre, d'un coup, il dit, hop, il décroche un téléphone Garfield. Et ouais, c'est des ninjas et le. Ça en dit long, hein. Ça en dit très très long, je pense, l'affiche. Si je devais avoir un poster, je pense que j'aurais celui-ci. Ninja Terminator. Putain, cinéma. C'est du putain de cinéma, quoi. This is cinéma. Ah non, mais ouais, non, mais c'est le détourage du pied, tout, c'est. Oh! Salut Titou! Comment ça va? La fiche de base est premier degré trop belle. Attends, c'est quoi déjà la fiche de base? Je crois que j'ai mis une qui était pourrie. Non, mais celle-là, enfin. Juste pour voir. Non, mais. Ça, c'est des ninjas. Hein. Putain, mais les outfits. Enfin, les costumes, ils sont. Puis lui, il a son gros eyeliner là. Mais c'est trop. En fait, c'est juste trop drôle, quoi. Je vous conseille vraiment, mais vraiment à tout prix de le regarder, tellement c'est. Ça, c'est du nanar de fou, quoi. La bande-annonce.
Bah, il est en entier hein, sur YouTube. Si jamais. Carid ou Cari? Mais non, parce que Terminator, ça veut aussi dire terminé. Hein. T'as, regardez-moi ça. Oh! Salut Terracid fan! Right? It's my ninja star. This is yours. Ninja Terminator. A spectacular story of betrayal and lust. The supreme power of ninja technique. Merci, merci Rosie. Lui par contre, sans sas. Ah lui, il fait des, il a des scènes de chorégraphie, c'est. Non mais les chorégraphes sont pas mal. Hein. Je vous jure, il y a des chorégraphies de combat. Ninja Terminator. Comme ils se battent avec des baramines. Oh mais même la... Non mais c'est trop bien. Merci Patoche. Eh ben bien sûr c'est Menotti Karakiri. Ah bah dis donc, ça sub hein. C'est incroyable. C'est assez incroyable. Je... Refais une cascade. Putain. Ah ouais, coin noir. Ah ouais, bah désolé. Hey! Mais je peux faire une cascade, je peux faire une roulade, hein, mais c'est mais tout au plus, hein. Observez. Attendez. Il faut que... Est-ce que je vais réussir à mettre... Mais... Je fais une roulade juste pour... J'ai pas de shuriken, mais je peux envoyer... Qu'est-ce que j'ai comme truc à envoyer? J'ai un bâtonnet de glace.
voilà toute l'étendue de mes. De ma puissance. Aïe. Je me suis fait super mal. Eh, petit conseil, les Jones. Aïe. Waouh. Oh, mais je suis super bas. Ne faites pas de roulade sur carrelage. Voilà, et les roulades sur carrelage, évitez. Oh, ça fait super mal. Les plus de 30 ans, là, on s'échauffe avant de faire ça. Ah bah, bien sûr. Ah bah, ouais, ouais. Hein. Si tous ceux qui viennent de chez Terracide, ne lui demandez pas de faire ça, le pauvre coco. Oh, il va... Ah, il va péter une durite. Bref, Ninja Terminator, ça vaut vraiment, vraiment la peine d'être vu. Hein. C'est... Ça, vous voyez, pour moi... Ah, je me suis fait super mal, en fait. C'est genre, vraiment, j'ai jeté mon coude sur le carrelage. Bref. Ça vaut vraiment... En fait, c'est vraiment des films qu'on regarde. Je sais pas si vous, ça vous arrive. Moi, je sais que je fais assez facilement ça quand, avec des potes. Je regarde des films pourris, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des potes et on... Le soir, voilà, on fait notre soirée. Et en fin de soirée, on se regarde un film pourri, juste. Juste un film pourri. Et le bonheur, quoi. Le bonheur, les films nazes. Tout simplement. C'est vraiment trop bien, tout ce qui est les trucs comme Ninja Terminator, regardez les Tomb Raider. Les Tomb Raider, qu'est-ce qu'ils sont nazes, quoi. Ça, Thanksgiving aussi. Mince. Oh là 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 là. Ça là. Ça, je vous jure, c'est trop, trop nul, sa mère. Oh. C'est trop, 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 trop nul. Mais c'est trop drôle à regarder parce que... En fait, c'est une Turquie. Un dindon. Et il décide de tuer des gens, quoi. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, quoi? Juste, c'est un dindon qui tue des gens, quoi. Ouais, l'affiche, elle est folle, celle-là. Et en fait, c'est nul parce que, genre, tu sais, c'est trop mal filmé. Genre, tout est dans l'idée, mais c'est mal filmé, c'est mal réalisé, c'est mal, tout est mauvais. Et le dindon, il est juste vulgaire pour rien. Genre, en mode, il dit des trucs, genre, je vais te baiser, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est... Je me suis fait muter de chez Terra car je lui ai demandé s'il faisait quoi, si on lui chiait dessus. Et bah, écoute, c'est super, ça me fait super plaisir d'apprendre. Genre, The Ginger Dead Man. J'en ai au moins 1000, Cassadi. Je bacon naturellement. Oh la vache. Excusez-moi, mais ça a l'air classique. Hein. Ça a l'air classique. Ça et... Oh le classique. Oh le classique que je vais vous sortir. Quoi? J'ai vu que le 1, mais c'est il y a très longtemps, Yanis Goff. Ça me donne pas plus envie. Non, mais ça. Pareil, c'est des trucs. C'est pourri, mais c'est. Enfin, c'est nul, mais c'est. Pff. Franchement, il y a des trucs comme ça, genre où c'est juste nul, mais trop bien en même temps. Ah bah, je comprends, c'est compliqué. L'attaque des Donut tueurs. Les surprimes? Ah ouais. Tu m'étonnes. 2600. Wesh. Par contre, 157 000 personnes l'ont vu quand même. Eh. Celui-là, il avait 2600 fans. Ah non. Attends, tu m'as dit quoi? Kung Pao. Ouais, mais ça, c'est différent, Kung Pao. C'est vraiment différent, quoi. En termes de film, il n'y a rien à part ça. Bah, et Terrifiers, c'est pas bien? Sharknado, oui. Du glaçage, les clowns. Ouais. Attends, tu m'as dit quoi, l'attaque des donateurs? Ah ouais, mais il y avait aussi Tomato... Attends, Tomato Killer, là Tomato Killer, un truc. Attack of the Killer Tomatoes. Sans déconner, quoi. «
C'est quand même c'est classique, tu vois, genre, je sais pas, il y a des trucs comme ça. Ça sort tellement de nulle part. Et je suis désolé, mais je trouve que c'est vraiment trop cool. C'est vrai qu'il y a Georges Clooney dedans. Enfin, il y a Georges Clooney dedans. N'importe quoi. Je suis con, quoi. Premier rôle de Clooney. Avec Georges Clooney, je pense que non, c'est pas possible. Te confondre, hein? Dans le 2. Ah bah oui, peut-être le 2 alors. Comment il s'appelle le film pour avec le maire qui décharge et son chien gay? Ça c'est Trash. Street Trash. Ouais, les Chucky, c'est nul, mais c'est marrant quoi. Mais c'est vraiment nul. Ça c'est Street Trash. Et ça c'est trop cool. Ça c'est vraiment marrant à regarder. Genre c'est vraiment juste... Bah, des sans-abri qui explosent dans des bains de couleurs, de toutes les couleurs. C'est ouf, c'est complètement débile. L'attaque des donuts. Attack of the Killer Donuts. Oh là 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 là, comment ça a l'air nul. 2016! Ah la vache. Robert, ça allait dans mes souvenirs. Faudrait que je le revoie. Il y en a eu un autre? Pas mieux. Pas mieux. Scary Movie, j'avoue que bon. Franchement, Scary Movie, ça me fait pas si bander que ça, quoi. J'ai vu ça quand j'étais gamin, et pareil, il y avait les destinations finales. Ouais, mais non, mais là, on parle de films horreur un peu marrant, tu vois. Mais Scary Movie, je regardais quand j'étais gamin. Maintenant, je trouve ça un peu chiant, quoi. Honnêtement. Ouais, les blagues, elles marchent plus du tout, je trouve. A posteriori, quoi. Les blagues marchent plus du tout, du tout. 2, 3, 4. Ouais, peut-être 2, 3, mais c'est sur. Je sais pas. En même temps, il y en a 4 000 par seconde, Spoilito. Hein. Genre, vraiment, c'est. C'est pas compliqué, à un moment. Je veux dire, n'importe quel humoriste, même s'il est pas drôle, au bout d'un moment, s'il enchaîne 150 blagues, il y a bien une qui va faire mouche, quoi. Mais Scary Movie, l'absurde. Ah, moi j'aime bien aussi, hein, mais Scary Movie c'est pas absurde, c'est juste du what the fuck. Et puis il y a mieux quoi. Ouais, entre autres, hein, Yannis. Il y a mieux, il y a. Frict. Non, mais toutes les parodies aussi comme ça, ouais, The Amazing Bulk. Non, pareil, leur film de super-héros en parodie, si t'es nul à chier. Ça, c'est un classique. Ça, c'est dans le même genre, c'est un classique. Genre, ça, c'est classique, classique. Vraiment premier degré, trop trop cool. À regarder dans la même vibe. Et que j'ai bien aimé, moi, parce que du coup, on sait que Scream, c'est un film qui est super intéressant. Le pire du pire, c'est Serbian Film, qui est une bouse sans nom. Et Scream, il est connu pour être un film où en mode waouh, c'est ouf le film, comment dire, il a été le premier film à utiliser vouloir faire. En fait, avec du recul, j'ai vraiment envie de baisser la note, mais de plus en plus. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Mais en fait. Ouais, mais non, mais à reprendre des codes du slasher, le film se moque du film, donc ouais. Mais sauf que ça, le fait est que Wes Craven, il l'a volé à un autre film, quoi. Il l'a volé à un autre film, mais il s'est bien gardé de le faire de façon honnête.
Il s'est bien gardé de le faire de façon honnête, puisqu'effectivement, c'est repris de celui-ci, en fait, qu'avait, comment dire, été un scénario qu'il avait présenté à Wes Craven, le réal. Et en fait, ça, c'est un film slasher méta, justement, qui est sorti même déjà 3 ans avant. Mais celui-ci est absolument pas populaire. Il n'est pas du tout populaire. Et pourtant, il est vraiment cool, quoi. Et il y a des scènes qui sont vraiment trop bien dans ce film-là. Il y a des scènes vraiment trop cool, vraiment intéressantes, genre vraiment briser le quatrième mur, mais de façon amusante. Genre, c'est difficile à. En fait, j'ai pas envie de spoiler parce que c'est intéressant de les voir et ça marche souvent bien avec l'effet de surprise, quoi, je trouve, de se faire tout simplement. Ouais, tu vois, entre autres, c'est super marrant de se faire surprendre par ça. Donc, c'est pour ça que je vais pas le dire. Mais c'est vraiment drôle parce que t'as vraiment le personnage principal qui est là, genre, bah, c'est chelou. Enfin, pourquoi est-ce qu'on va. Donc, là, on va vraiment dans un manoir tout seul, gna gna gna. Ou alors, là, il se passe vraiment ça. Ou alors, on va vraiment séparer, etc. Donc, c'est que les trucs comme ça. Je sais pas, Décos. Salaud, c'est. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Bah, c'est le premier, hein, bout, littéralement, quasiment. Hein, donc, 91, donc évidemment qu'on en avait pas marre. Mais du coup, Wes Craven, il l'a vraiment. Il s'est en fait très largement inspiré de ça, quoi. Donc voilà. Pas de soucis, Supreme Bolider. Terminator 1, je trouve ça nul, les slashers, c'est trop lent. Terminator 1, c'est pas un slasher. C'est un slasher, Terminator 1. Alors, je pense pas que on soit vraiment. Dans un slasher, mais par exemple Halloween c'est un classique quoi. Troll 2 c'est exceptionnel. Ça par exemple c'est du film de merde à voir avec quelqu'un. Il a jamais eu de soucis? Non. Bah non parce que c'est pas officiel quoi. Pourquoi il aurait des soucis? De toute façon il s'en fout. J'ai pas l'impression que ce soit un slasher Terminator personnellement. Ouais c'est que ça se tient sur Massacre évidemment. Et que ça, enfin, ça c'est Claudio Fragasso. Et alors lui c'est monstrueux ce qu'il a fait. Déjà, j'ai envie de voir tous ces films. Il suffit que je regarde les affiches pour que j'ai envie de tous les regarder. Je suis désolé, mais dans quel monde t'es un mec normal et t'as pas envie de regarder ce film? Genre, tu vois l'affiche là, t'as pas envie de regarder. Je suis désolé, hein. Mais ça, c'est un livre, non, Antoine? De base, j'ai fait un chroma sur Troll 2, absolument. Et du coup, il parlait du documentaire. Je l'ai pas pris le temps de le regarder, mais. Le documentaire donne envie. Ça me fait vraiment penser à l'affiche de Rambo 3. Y a pas des affiches. Parce que je crois qu'il y a plusieurs types d'affiches pour Rambo 3. Attends, c'est Rambo 3 ou Rambo 2? Attends, faut que je retrouve. Voilà. Il a une mitrailleuse avec un lance-roquette en poux. Enfin, c'est un classique, hein, tout simplement. Grosse transfo et ambiance flippante. Le chien des Baskerville. Non, mais ça, c'est un classique. Hein. C'est vraiment un classique, cette affiche. Mais du coup, on voit très bien qu'il y a peut-être un truc, l'un qui s'est inspiré de l'autre, quoi. En fait, ça, c'est une spécialité. C'est tout un genre, hein, le mockbuster. Où ça reprend en fait les affiches, ça reprend des types visuels et ça refait des films quoi. George Fulgos. Ah, c'est une pièce. The Hound of the Baskervilles. Déjà, c'est joli. Ok, je watchlist. Comme Hot Shot, entre autres. Mais c'est différent encore parce que c'est pas la même chose, c'est pas la même volonté. Mais ça, pareil, ça c'est des films, faut vraiment regarder ça avec des potes. Et là, c'est classique. Tu regardes ça avec des potes en fin de soirée, c'est parfait. Je vous jure, c'est incroyable. Et il y a un documentaire effectivement qui parle du film en lui-même et de sa façon de se faire. Harakiri, moi j'ai regardé sur Stremio. Hein. The Room aussi, mais je l'ai vu il y a trop longtemps. Bref, donc ça, voilà, c'est passé, on passe à autre chose. On peut évoluer. Ensuite, j'avais vu The Killing Fields, qui était encore une fois un film que j'ai regardé
à la suite du documentaire sur l'armée du Khmer Rouge, et là qui se base plutôt sur comment dire des journalistes qui étaient présents en fait et qui ont vécu ça de leur point de vue de journaliste. Et entre l'amitié entre un journaliste présent sur place, donc qui était anglais, enfin américain, et un reporter cambodgien. Ouais, non, pas de transition, j'en ai rien à foutre. Et donc, pile poil au moment justement de ces, du renversement, de l'arrivée de Pol Pot et de l'arrivée de l'armée du Khmer Rouge. Et voilà, on va juste vivre ça de leur côté, à la fois du côté du journaliste anglais qui lui constate en fait toutes les horreurs qui se passent. Il constate le traitement des Cambodgiens par rapport au traitement des protégés américains dans l'ambassade, etc. Ils essaient de protéger des Américains. Enfin, ils essaient de protéger des Cambodgiens, mais ils n'ont pas trop le droit. J'ai rien vu de ton avis. Lequel? Ah oui, concernant Baskerville. Mais je ne l'ai pas vu. J'ai lu, mais j'avais beaucoup aimé lire, mais j'ai pas lu. Le chien. Non, mais je ne l'ai pas vu. Oh, le chien. Super, bien sûr, Zetex. Mais du coup, oui, non, ce chien des Baskerville, j'avais beaucoup aimé le roman, j'ai pas lu, pas vu encore. Donc à voir. À voir. Et du coup, The Killing Fields, on passe aussi dans les camps qui avaient été faits par justement le Khmer Rouge et aussi évidemment qu'il y avait des bons, hein, comme partout, même si c'est. En fait, le problème de ce genre de film, c'est la romancisation d'événements aussi horribles, c'est toujours particulier, quoi. C'est toujours, toujours difficile à constater parce qu'il y a une part de vérité, mais une part aussi de romancisation qui est jamais. Enfin, qui est bizarre, quoi, toujours. Il y a un fossé bizarre ici, je trouve. Mais dans l'ensemble, c'est bien joué, c'est très fort et ils ont une amitié très, très forte, en fait, les deux reporters. Et c'est vraiment. Très touchant et instructif sur la situation et comment elle a évolué à ce moment-là entre l'arrivée pile poil de l'armée du Khmer Rouge et comment c'est arrivé aux États-Unis, l'impact des États-Unis aussi sur la situation, parce qu'ils ne se cachent pas non plus de montrer que les États-Unis ont eu leur impact aussi. Mais évidemment, c'est la sauce américaine. Mais c'est pas que la sauce américaine, c'est dans tous les films du monde, Squalito. Tous les films du monde, ils n'hésitent pas en fait à romanciser tout, quoi. Il faut qu'il y ait cet aspect de romance, sinon en fait le spectateur peut décrocher. Parce que souvent, le réalisateur peut éventuellement, ou enfin, un réalisateur pas forcément intelligent, va. Enfin, pas que pas forcément intelligent, peut-être aussi pas un réalisateur peut-être intelligent à propos de certaines choses, va essayer de justement se focaliser sur certains aspects pour. Faire parler un des aspects d'une histoire. Et là, effectivement, c'est intéressant parce que bah, ça montre quand même à quel point c'était horrible, à quel point c'était un stress permanent pour les gens qui y étaient, une horreur absolue. Ah mais oui, mais ça, évidemment, hein, Squalito. On l'a vu avec tout, et notamment avec Godzilla, Godzilla 2000, dans lequel, comment dire, ils ont quand même réussi à faire porter le chapeau aux essais nucléaires français. C'est fort, c'est fort. Et du coup, oui, c'est ce bon vieux John Malkovich avec sa petite tignasse. John Malkovich qui est vraiment sympathique, qui a un rôle plutôt sympa, un petit peu de Joker, enfin, vous voyez, de petit mec rigolo, etc. Donc, franchement, très sympa. Bah oui, Taxi Driver, c'est un classique, ne serait-ce qu'en termes de mise en scène, d'écriture, enfin, d'éclairage. C'est très bien réalisé, quoi, que ce soit visuellement, que ce soit effectivement en termes de développement du personnage. De musique, non, c'est effectivement pour moi un classique, je pense, Taxi Driver. Bah, Isaline, en vrai, 1485, mais c'est depuis 1485 en 4 ans et demi. 4 ans et demi, ça va, je trouve. Et même, il y en a que j'ai log parce que je les avais déjà vus, donc c'est pas 1485 en 4 ans, enfin 5 ans. L'ambiance de Taxi Driver, ouais, en plus, elle est vraiment sublime. Mais Malkovich, c'est vraiment très cool. Du coup, vraiment. Je trouve qu'en complément notamment de Air 21 de Death
Khmer Army, c'est vraiment intéressant parce que c'est deux films qui. Enfin, l'un est un documentaire et lui apporte d'autres informations, mais lui, il est plus réalisé, quoi. Donc là, c'est plus facile de mettre une note sur un truc qui a été réalisé, qui est pas aussi brut, qui est pas aussi dans le brut absolu de la situation qui a eu lieu. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Midway dans le genre pam pam piou piou, bam bim, boum boum et top. Alors ça, je connais pas. Par contre, un film. Merde. Si vous cherchez un autre nanar exceptionnel. Oh, ça, je vous jure. Oh là 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 là. Parce que du coup, ça m'a fait penser à ça, John Malkovich. Ça, je vous jure, c'est exceptionnel. Exceptionnel en termes de film nanardesque. Moi, j'adore Nicolas Cage. Vraiment, en premier degré, je l'adore ce mec parce que je trouve toujours que il est trop cool, en fait. C'est un mec qui adore vraiment le cinéma. Il aime jouer dans des films et il s'y met toujours à fond. Mais bon, des fois, effectivement, les films sont pas adaptés à son jeu. Et des fois, les réalisateurs arrivent à le mettre en scène correctement pour que ça passe très bien. Moi, je trouve dans notamment Snake Eyes. Hein, qui est trop mal noté, beaucoup trop mal noté. Je sais pas si c'est par popularité. 3,4, je trouve que c'est vraiment pas énorme pour Snake Eyes, où il joue, mais. Mouah! Il joue trop bien. En fait, il est vraiment trop agréable parce qu'il a vraiment un jeu qui est très particulier. Franchement, très 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 particulier. Lord of War aussi, j'ai bien aimé, ouais. Il est très 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 particulier, mais il est vraiment trop cool, quoi. Oh! Merci, Benzio. Ah bah oui, il a des choix de carrière de con, hein. Notamment son remake de Wicked Man, qui ensuite. Il est. Où est-ce qu'il est? Ça, c'est nul aussi. Oh, bon sang de bonsoir. Mais où est-ce qu'il est, Wicked Man? C'est un Snow qui pue du cul, je crois. C'est-à-dire. Ah oui, celui-ci, Willy's Wonderland. Il est dans Grindhouse. Ah ouais. Où est-ce qu'il est? Il est même pas sur son truc. Si, ça, The Wicker Man. Je l'avais commencé. C'était tellement nul à chier. Je suis désolé, hein, Nicolas Cage, mais faut que je le termine. Mais ça, c'est de la dope, quoi. En fait, c'est un remake. Enfin, un remake complet de l'autre The Wicker Man. Qui est, par contre, lui, vraiment très bien. Si vous avez apprécié Midsommar et que vous voulez voir un meilleur film, regardez The Wicker Man. Abel Ferrara, tu veux dire Flash Blinking? Ou tu parles de justement le Bad Lieutenant de. Parce que je crois que c'est Frankenheimer qui a fait un Bad Lieutenant. Et ça, The Wicker Man, du coup, c'est exceptionnel. Ça, c'est exceptionnel. Genre vraiment trop trop bien, mais c'est exact. En fait, pour le coup, c'est exactement le même film The Wicker Man, mais celui-ci est pourri et celui-ci, c'est trop bien. Ah oui, non, mais vraiment, bon, je le trouve. Hein. Werner Herzog. Ah oui, c'est vrai, Werner Herzog, pardon. Mais oui, mais apparemment, celui de Werner Herzog est mieux, Flash Blinking. Mais je l'avais vu, justement, parce que je m'étais renseigné un petit peu sur Herzog. Et du coup, Snake Eyes, ça, c'est génial. De Palma. Mais ça, par contre, qu'est-ce que c'est pourri, quoi. J'avais pas terminé, parce que c'était vraiment nul à chier. Et je trouve que Joaquin Phoenix, il joue trop mal dedans. C'est pas le si bon acteur que les gens essaient de faire croire qu'il est, en fait. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui essaient de faire croire que c'est un super acteur. Alors, je l'avais vu il y a longtemps, je crois que j'ai mis. Ouais, j'ai mis une trop haute note. Il faudrait que je le revoie. Mais je sais pas pourquoi. Je pense que c'était des circonstances qui ont fait que j'ai mis cette note. Mais. Pareil, Joker, c'est. Joker, j'avais mis 4. Et je pense que c'est un film aussi où je vais probablement baisser la note. A posteriori. Non mais c'est un bon film, c'est sûr, mais un moins bon film que son film père, enfin le Terminal, pas comment Terminal, mais Lost in Translation de Coppola que j'ai préféré par exemple, finalement. Ouais, entre autres Pirogue, mais même a posteriori, style personnage. Enfin, le film n'existe pas sans Joaquin Phoenix et.
Gladiator 2 en novembre. Oui, t'inquiète, je vais aller le voir. Comme je vais aller voir Joker 2, quoi. Comme j'ai vraiment hâte de le voir. Ça m'a l'air sans sas. Mais Nicolas Cage, lui, c'est cool. Et apparemment, il est dans Long Legs. En fait, j'ai envie de voir juste pour savoir ce qu'il en vaut. J'ai hâte de ce qu'il soit en streaming parce que j'ai pas envie d'aller le voir au cinéma. J'irai pas le voir au cinéma. Je le dis. Voilà, tout ça à cause de John Malkovich. Hein. Comment est très bien apparemment. Eh ben, très bonne qualité Long Legs. Eh ben, aussi nul et drôle à la fois, mais il y en a plein comme ça. Bref, suivant. The Cat. Ça, c'est un film dans lequel des aliens descendent sur Terre parce qu'il y a un monstre. Et du coup, les aliens, ils sont représentés par un chat et enfin, une alien. Et c'est trop bien. Genre, c'est juste trop bien. Genre, déjà, le chat joue trop bien. C'est abusé. Genre, premier degré, le chat est trop fort. Million Dollar Baby, j'ai vu, ouais. Genre, premier degré, le chat joue trop bien. N'a pas eu sa chance dans la MCU, étrange. Peut-être parce que. Non, mais peut-être aussi que. Nicolas Cage n'a pas envie de faire partie du MCU. Alors, peut-être qu'il me donnera tort, mais peut-être qu'il n'a pas envie de faire des films de merde, quoi, non plus. Après, il a été quand même dans des films Marvel, enfin, de la licence, de l'univers de Marvel, à travers des Ghost Rider, etc. Mais peut-être qu'il se dit, ah ouais, peut-être que c'est des films de merde, quoi. DCU, bon. Il est dans un film du DCU. À la limite. Ah oui, mais bien sûr, Darky, mais c'était des merdes avec des bonnes intentions. Eh oui, il aime la thune aussi. Ouais, j'avoue, Volsworth. En fait, c'est juste que j'ai envie de dire que le Marvel, enfin le MCU, c'est de la merde, quoi. J'aime pas. Hein. Ghost Rider, c'est marrant, ouais. Un caméo avant, avec le prochain Ghost Rider. Ah ouais. Ghost Rider 2, t'es vraiment nul. Faut que je le vois. Ah. Il y a un chat qui veut rentrer. Je reviens. Oh oui. Attendez, je suis sûr que vous êtes 1000 milliards à vouloir la voir. Oh. Regardez là. Oh, la grosse douchka. Oh, la grosse. Ouf, ouf, ouf. Tu veux rester là ou pas? Non, de toute façon, t'as à manger là-haut. Ouais, je lui parle comme si c'était. Je sais pas, mon coloc, il a mangé en haut. Hein. Ah, c'est un alien aussi. Hein. C'est peut-être un alien. Mais du coup, ouais. Je trouve de 4, il y a pareil. Il y a des. Alors, surtout que le réal. Hein, moi, j'avoue qu'il y a des films. De 4, déjà, l'affiche et le nom me donnent envie. Mais je regarde surtout qui l'a réalisé. Et Lam Gai Kai, lui. Mouah, super. Super. Génial, trop cool ce réal. Alors, il n'a pas une filmographie extrêmement large, mais il a fait vraiment des films trop, trop, trop cool. Du moins les quatre que j'ai pu voir, qui sont en fait, comme je vous le disais, des films. Alors celui-ci, Ricky O, génial. C'est juste génial. C'est un film dans lequel, en gros, t'as un mec qui s'évade de prison, tout simplement. Et il y a beaucoup de bagarres et c'est gore et c'est débile, c'est des effets pratiques de partout, en veux-tu, en voilà, c'est génial, juste génial, quoi. Après l'histoire, on s'en branle, du coup, forcément. Mais il a fait aussi The Seventh Curse, et ça, c'est pareil. En fait, c'est un film, effectivement, d'horreur, mais d'horreur. Voilà, c'est de la comédie horreur, quoi. C'est du comédie horreur, mais en bien, tu vois, avec des trucs où c'est de la comédie de, comment dire, de situation. Alors que l'horreur, c'est bon, ça fait pas peur, quoi. Mais c'est marrant, c'est super cool, c'est génial, tout simplement. C'est juste génial, en fait, à regarder. Et en plus, c'est un des premiers rôles, je pense, de Maggie, enfin Maggie Cheung.
Et il y a aussi Chow Yun-fat dedans. The Sixth. Très fort, Red Kia. Très fort. Il y a aussi Chow Yun-fat. Donc, est-ce que vous avez vraiment besoin de raison de le voir si je vous dis il y a Chow Yun-fat dedans? Bah non. Allez voir. Film air classique. Rex Dinosaur Story. Attends, je vais voir le truc. Mais vraiment, c'est trop cool. Bien sûr, Luman. J'ai bien aimé, moi. Attends, je finis juste sur Lan Gai Kai. Et donc, du coup, voilà. Donc, avec The Cat qui est vraiment amusant, très bien réalisé. Il y a des effets visuels super. Et ça, The Ghost Snatchers. Oh, pareil, c'est de l'horreur comédie, enfin, du comédie horror. Où, en fait, ils doivent exorciser tout un bâtiment. Et je suis génial, quoi. Oh là 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 là. Et t'as des trucs, t'as des scènes trop drôles. T'as des scènes ultra inventives avec un truc qui sort de la télé ou un mec qui se fait avaler par une télévision, des squelettes qui bougent. Oh là 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 là. Attendez, faut... si j'ai beau... Est-ce que j'ai... Attendez, je sais très bien comment ça fonctionne. Comment vous fonctionnez? Il faut que vous voyez des choses. Vous vous dites, mais ça peut pas être si bien. Ça... Observez le squelette. Observez le squelette. Il va vous faire changer d'avis en 2 minutes 29. Ah, la photo du film est vraiment top. Hein. Pour le coup, c'est vraiment surprenant parce que là, c'est pas un document de très 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 grosse qualité, mais je l'avais trouvé, je crois, sur archive.org. Je l'avais trouvé en bonne qualité. Voilà, 1986, c'est celui-ci. Ah non, ça c'est le trailer. Je crois que je l'avais trouvé en bonne qualité sur. Je suis pas sûr. Hein. Ah voilà, si, English. English. English, pardon. Excusez ma prononciation. Je crois que c'est celui-ci qui est en qualité correcte. Archive.org, quelle plateforme. Magnifique plateforme. Gratuit, hein, évidemment. Happy birthday, Gamo. La qualité, vous aurez pas mieux que ça, hein, c'est un vieux film. Déjà, moi, je suis désolé, mais je vois ça au début du film, Golden Harvest Production. Puis je sors ma queue, direct. Je sors ma queue. J'aime trop les films Golden Harvest. Ouais! Et donc, il y a des scènes, je vous jure, c'est trop trop drôle. T'as des trucs avec des fantômes et tout. C'est trop génial. Puis t'as des trucs de comédie, c'est génial. Le Vostefer, faire, je sais pas. Je sais pas s'il y a de la Vostefer, ferme, j'ai pas regardé. J'aurais bien aimé vous retrouver le passage avec la télévision qui est vraiment cool. Ah putain, le classique, regardez. Eh, je vous spoil la scène, je m'en fous. C'est trop un classique. Je trouve, il y a plein de trucs comme ça, genre c'est trop génial. Vous savez quoi, je vous copie le lien, je le mets dans le chat, et puis vous le regardez, puis vous me faites pas chier. Pour ceux que ça intéresse. Et par contre, je crois pas que. Vostefer, je pense que c'est difficile à trouver. Étant donné que, bon, c'est peut-être pas un film qui est ultra populaire quand tu regardes. Voilà, Ghost Snatchers, là, c'est 650 vues sur Letterboxd. Alors, je dis pas que Letterboxd est littéralement la plateforme qui se veut Légion, ni même qui fait parole. C'est quoi déjà? Qui fait office. Comment, je sais plus quel est le terme, mais qui est la parole ultime. Mais. Ça fait quand même peu de gens qui l'ont vu, finalement. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il est difficile. Où on peut les voir, où les vieux films. Moi, c'est soit Stremio, soit YouTube. Parole d'évangile, ouais, c'est ce que je pensais. Voilà, bah, parole d'évangile, c'est ce que je voulais dire, mais je savais plus si c'était exact. Et Ghost. Comment dire, Internet Archive aussi, j'aime beaucoup pour regarder des films. Il y a pas mal de trucs. Hein. Le seul fan de. Non, c'est pas possible, je suis pas le seul fan. Regardez. Liké par 208 membres. 208 membres qui ont complètement raison. Hein. Ah ouais! Ils ont tellement raison, c'est abusé. Donc voilà, moi pour moi, effectivement, donc ça c'est les films qu'a pu faire Lam Gai Kai et c'est génial. J'ai pas vu encore Erotic Ghost Story, Peacock King, Earth Vengeance, etc. Je vais les regarder, mais j'aime beaucoup. Howard the Duck, c'est vraiment marrant. Hein. Il y a des trucs vraiment sympas dans Howard the Duck.
Donc ouais, ça, The Cat, je vous conseille vraiment de le regarder. Ensuite, on avait dit, regardez Rex Dinosaur Story, qu'est-ce que ça vaut? Déjà, c'est watchlist parce que c'est ça a l'air sans sas. 3,5 avec un pic à 5. Ouh, ça, vous savez ce que c'est. Ça veut dire que soit c'est un film correct, soit il y a un côté nanar qui fait que les gens ils se sont dit, je mets 5. Non, mais ça a l'air classique et l'affiche donne trop envie. Oh putain. On dirait Gone. Je jure, on dirait Gone. Et là, les gens ils disent, mais n'importe quoi, parce que les gens ils sont complètement cons. Ils pensent que c'est Gone, c'est que dans Hunter Hunter. Des débiles ou quoi? Eh non. Il y a un manque. Merde. Bah ouais, mais forcément, si. Voilà. On dirait lui. Eh là, je me suis fait avoir. Gone de Tekken 3. Ah, bien sûr. Je on dirait lui. T'as ça, il faut vraiment, vraiment que j'aille les trouver. Hein. Apparemment, Gone Italian. Le collector italien, il est trop cool. Regardez comment il est trop beau. Le collector italien, il est trop beau. Alors que Gone, enfin, genre, tu t'en fous en fait. Étant donné qu'il n'y a pas de. Il y a zéro comment. Il y a zéro texte. Ah, come on! Il y a zéro texte, tu t'en branles en fait de quelle édition t'as. Et très classe. Mais je sais pas combien il y a de tomes. Sept volumes. Ah, il y a un animé. Ah ouais? Pas vrai. Ah ouais, d'accord, c'est ça. 2012. Ah d'accord, c'est de 2012. Ah merde. Je regarde par curiosité. Mais... La qualité est bonne en tout cas. Ouais, non, mais elle est très belle en plus, l'extrait, hein. C'est quoi ça? Ouais, je pense que c'est vraiment un truc pour les bébés cadoms, ça. C'est pas possible. Combien de vues? 152 000 vues? What the fuck? Ok, et il y a eu 26 épisodes comme ça. Bref, ça m'a fait penser pour le truc. Mais du coup, une jeune fille devient amie avec un T-Rex enfant après que son père paléontologiste a fait naître des jeux de dinosaures. D'accord. Bah, ça a l'air sans sas. Film libre de droit, il doit y en avoir pas mal, ouais. Faites régulier, ouais. Attends, j'ai regardé. La classe. La classe, autant de films libres de droit quand même. Merci Léo. Novaï. Ah ouais, après c'est surtout. Ouais. Oh, le cabinet Docteur Caligari, le classique. Seulement 604 vues. Ah ouais, non, mais vas-y aussi la qualité. Forcément que c'est libre de droit, frère. Il les upload en 360p. Genre, tu regardes quoi? Genre, tu regardes sur quoi? Sur ta Apple Watch là? Allez, lui. C'est gentil, hein. Merci, mais non, merci là. Eh, je préfère encore comment ça s'appelle déjà? Moi, Stevie. Bon, je. Attends. Voilà, Mosfilm. C'est ta chaîne YouTube? Ah, c'est ta chaîne YouTube! Bah, c'est gentil de ta part! Les fichiers que j'ai eu sur archive.com.
Ah, c'est la classe. Ah, non, mais en vrai, autant pour moi, dans ce cas-là, c'est une, c'est louable, mais bon, c'est dommage pour la qualité, quoi. Écoute, on fait tous des erreurs, hein. C'est gentil, hein. Alors que cette chaîne, Mosfilm, là, on va chercher de la qualité. Pour la plupart, il y a au moins 1080p. Voilà, vous avez au moins la 1080p. Pour des films, du coup, qui sont assez anciens. Et vous avez pas mal de trucs, quoi. Je crois justement. Bah là, il y a Stalker. Je crois on a la 1080p, là, au moins. Ouais, Stalker 1080p. Avec, il y a même la 1080p des BLV. Le coin du bis, je connais pas. Mais du coup, ouais, vous avez pas mal de trucs là-dessus, pas mal de films. Ouais, bien sûr, Xavier. Mais Mosfilm, il y a pas mal de trucs, quoi. Si jamais il y en a des trucs que vous avez envie de voir. Apparemment, ça c'est bien, El Manzaro. Con sus títulos en español. Je crois que Pota, il l'a vu, lui. Il l'a vu, ce film. Non mais c'est une blague je pense Zaran. Mais non mais c'est sans ça de vouloir faire ça. Très respectable. Du coup là ouais si ça intéresse certains des films beaucoup il y a pas mal de trucs russes surtout. Culte cinéma classique c'est quoi ça? Ah c'est des full lengths. Ok. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, c'est pareil, c'est des films. Hop là. Hey, oh! Chut, oh! Pas mal. Il y a quoi d'autre? Le coin du bis. Je regarde. Prenez-les en note hein, si vous voulez chercher des films sur YouTube. Le coin du bis. Je crois que ça me dit quelque chose. Il y en avait un que j'aimais bien. Attendez. Criterion Collection aussi, c'est cool. Daisuke Beppu, lui j'aime bien, lui Daisuke Beppu aussi. Lui il fait plein de vidéos où il parle le Cinoche. J'ai pas tout regardé parce que ça fait un moment que j'ai pas lu. Enfin, pas regardé ses vidéos, mais d'ailleurs il a pas mal d'abonnés maintenant. Quand je regardais, il avait vraiment très peu. Mais franchement, très cool Daisuke Beppu. Genre, en fait, il a une collection de comment dire, de Blu-ray, etc., qui est assez extensive. Et il en fait souvent des reviews qui sont très complètes, en fait. Et il a des playlists qui sont intéressantes. Il a des coffrets de bâtard, je te jure. Pas mal de films chouettes sur Arte, en plus. Et, oh putain, YouTube, mais c'est une cata en ce moment. Genre, je clique, ça met des heures à me fonctionner. Et il avait, bon allez, il a fait des, comment dire, des vidéos comment dire, sur Twin Peaks, des discussions. Je trouve ça trop cool. Et voilà, pareil, des films, il fait des playlists sur tous les films des années 70, des films sur Wong Kar-wai, discussions sur Cronenberg. Donc si ça vous intéresse, je trouve vraiment qu'il est très, très, très intéressant. Genre, c'est un mec vraiment intéressant à écouter. Il a une voix très posée. Qu'est-ce qu'on va. On va mettre un truc au hasard. Puis c'est vraiment juste, il pose la caméra et discute quoi. Greetings from Tokyo, my dear, dear friends. This is Daisuke, and how are you doing today? I C'est hope vraiment le you're truc que tu peux staying écouter warm en faisant un truc and quoi. very well. Spine number 1000. Godzilla, the Showa era Mais il a ends des. 1954 Ouais, il est chiant, faut rien. to 1975. Il a vraiment des trucs super cool quoi.
Enfin bref, voilà, moi je vous conseille, vous en entendez rien, mais c'est vrai que je mets très bas le son en général, j'aime pas avoir le son fort. Je supporte pas les sons forts. C'est Daisuke Beppu. And you are getting two second versions of two of the films. So in essence you are getting 17 films in this set plus the supplements. So as a kind of general opening comment or opening salvo perhaps, I bref, must say that super cool. I think je mets pause. Mais qu'est-ce qu'il a le player? Mon player YouTube ne marche plus du tout correctement. Genre, il me faut 15 ans pour cliquer là en ce moment. Je comprends pas ce qui se passe. Je pense qu'il faudra juste que je redémarre mon PC après. Mais bref, très 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 intéressant ce qu'il fait Daisuke Beppu. Donc, je vous conseille sa chaîne. Ah, il a tout ce qu'il faut hein, ce mec. Hein. Cause du bloqueur de pub, je pense pas. Ça aussi c'est cool hein, vous voulez avoir des recommandations par des réals. C'est vraiment sympa. Donc ça, ok, on a vu. The Cat, très cool. On est rendu où là dans le... En fait je vais juste finir mai. Hein. J'ai 1h42, je me fais... Ensuite, The Masters of Time. Super. Franchement, j'ai adoré. Alors moi, j'adore l'animation. Je trouve ça vraiment très, très, très... c'est un médium que j'adore, j'adore, j'adore. Et du coup, je l'ai lancé. Et franchement, quelle surprise, quoi. Vieux Cinoche, ouais, il ressort au Cinoche. Et il sort... bah là, il est ressorti sur Mubi. Et donc, effectivement, c'est René Laloux. Mais il y a beaucoup, beaucoup de designs qui ont été bossés par, voilà, Jean Giraud. Hein, qui est... Putain, mais Jean Giraud. Jean Giraud, il a fait... il a bossé sur Alien, quoi. Il a bossé sur Willow, Tron, le cinquième élément et Petit Nemo. Attends, je vais le mettre dans ma watchlist parce que ça me surprend. Mais, non, non, effectivement, en fait, c'est surtout, c'est des humains. Enfin, c'est un humain et... enfin, un homme et son... Je ne sais pas si c'est son fils, mais c'est un jeune garçon qu'il va en fait laisser sur la planète, enfin qui va être avec lui, qu'il va devoir laisser parce qu'il va se faire, enfin il va être dans un accident, etc. Et en fait, il va le laisser avec un objet qui lui permet de communiquer avec l'espace. Et en fait, il va entrer en communication avec l'espace, qui vont lui donner des indications pour essayer de le retrouver ensuite, pas ensuite quoi. Et déjà, c'est une flore qui est absolument magnifique, tout comme la faune. Et il y a un plot twist, quoi. Il y a un véritable plot twist qui est assez... qui est pas forcément... que j'ai pas vu venir. Mais il y a quand même, surtout, la chanson du clochard cosmique. Ça, je l'ai trouvé. Il est sur Mubi. Ça, c'est un classique atomique. Genre, le fait que ça existe... galactique, celui qui boit comme un trou noir. Je suis le clochard du cosmique, le vagabond astronomique, celui qui le clochard du cosmique. Pourtant petit, je te l'assure, j'ai certains soirs un tel cafard qu'il m'arrive même de faire le mur comme un affreux petit Jojo en grattant un peu mon banjo. Mais c'était un jour jadis, mille années ou bien dix. J'étais sur le lamproie comme le ver sur l'espoir. Mais j'avais tant d'effroi à me savoir si haut que je ne pouvais réveiller en moi. J'attraquais vert sur verre comme un trop fort gazelaire, en buvant plusieurs coups. Attention au refrain, attention quand même au refrain. Le premier soulographe de notre bel espace. Le premier soulographe de notre bel espace. C'est moi le premier, avant il n'y en avait pas. Écoute un peu, allons-y. Quand on bourlingue à devenir... Ah, c'est trop fort. L'animation certes est longue, mais franchement, le film est trop cool. Le film est bien en VF. Oui, ah oui, 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 oui. La VF est sublime. Sublime.
Ah, elle est vraiment géniale, la VF. Parce qu'effectivement, le film est fait par René Laloux, qui est un réalisateur de films d'animation français. Et donc, oui, c'est en français de base, quoi. Et il a fait du coup aussi Planète Fantastique, qui est trop trop cool. Je vais changer la fiche parce que la planète sauvage. Et je préfère le fait que ce soit français. C'est français, quoi. René Laloux, c'est français. It's fucking French, les gars. Dommage que les affiches avec les maîtres du temps ne soient pas très jolies. Putain, s'il y avait eu les maîtres du temps sur celle-là. J'avoue que celle-là aussi, elle est folle. Hein. As Ido Urai. Je sais pas ce que c'est. Je vais mettre celle-là parce qu'elle est très classe. Mais j'avoue que. La classique de base, elle est vraiment trop belle. S'il y avait eu le maître du temps à la base, à la place, ça aurait été vraiment trop beau. Mais du coup, vraiment, je vous conseille à tout prix de le regarder si vous en avez la possibilité. Si vous avez un compte Mubi, n'hésitez pas. Les films pas très célèbres. Mubi, Streamio, qui est une application de streaming. Ou alors aussi archive.org. Ou YouTube, des fois. Hein. Donc, parce qu'il y a plein de trucs, quoi. Franchement, il y a pas mal de trucs pour voir des films. René Laloux sont insane, les temps morts. Faut que je regarde. Mubi, c'est payant. Streamio, c'est gratuit. YouTube, c'est gratuit. Et archive.org, c'est gratuit également. Donc, vous avez pas. Il y a beaucoup d'alternatives quand même. Même OK.ru, hein. OK.ru, il y a pas mal de trucs qui sont disponibles sur OK.ru. R/slash piracy, voilà. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs. Et n'hésitez pas, moi, je m'en fous. Faites-le, hein, pirater vos films. Je vous conseille de le faire même. Surtout si c'est des Marvel de merde. Fantastic Mr. Fox. Je ne l'ai pas vu encore, mais j'avais vu l'île aux chiens. Et c'était vraiment cool. J'aurais allé chercher de l'eau. Ouais, il y a plein de trucs, hein. Hop. Ratatouille, je l'ai pas vu. Par contre, on avait vu, je crois qu'on l'avait vu en live, c'était Food Wars. Food War. Ciao, Izamashi. Comment il s'appelle déjà? Food Fight? Putain, comment il s'appelle ce film d'eau horrible là? Ratatouille, ça donne pas envie. Mais il y a un film dans le même genre, non? Food War. Ah, c'est ça. Oh le classique, ça on l'avait vu en live. Oh le classique. Ça si vous connaissez pas, je crois qu'on l'avait vu en live. Ouais. Mais t'avais des trucs, je me rappelle. En fait, on dirait en permanence une bande-annonce, enfin une cinématique. Ah, mais c'est ça, c'est François Fromage. Je sais, il y avait une scène, elle était complètement folle, hein. Et je me rappelle plus c'était quoi, mais bon bah. Non, mais c'était. Ah ouais, la scène de la Marseillaise, voilà, c'est ça.
Ah là 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 là. Apprends, bien dit, bien dit. Enfin bref. Maître du temps, donc voilà un film encore une fois que je vous conseille absolument. Cinématique PS2, bien dit. 4 ans après Wally. Et alors? C'est sorti quand les Lossa? Pose-toi les bonnes questions, mon pauvre. Maître du temps, à regarder, important. Je vous le conseille à tout prix. Voilà. Enfin, du moins si vous aimez la France, entre autres. Allez, je vais accélérer un tout petit peu. MS45 Abel Ferrara. Terrible, 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 terrible. Alors, je n'ai pas forcément fan d'Abel Ferrara. Parce que c'est pas forcément un réalisateur. Le dernier film que j'avais vu de lui, c'était Body Snatchers, que j'avais trouvé vraiment à chier. Franchement, vraiment à chier. Et du coup, dans celui-ci, par contre, c'est un Rape and Revenge qui est assez terrifiant, quoi. En vrai, il est vraiment. Il est très classique, mais il va vraiment au bout de son propos et il est très bien fait, quoi. En fait, c'est difficile à en dire plus, mais il y a des scènes, je me rappelle, qui avaient été vraiment très, très, très difficiles, parce qu'il y a une scène dans laquelle elle se venge contre les hommes, ce qui est logique, parce qu'elle s'est faite abuser deux fois dans la même journée. Voilà, c'est le scénario du film, c'est horrible. D'ailleurs, les deux scènes sont absolument horribles, parce qu'elle est muette, en fait. En fait, voilà, tout simplement, hein, malheureusement. Et elle va en vouloir, du coup, enfin, elle en veut aux hommes, logique. Et elle va donc entrer en vendetta. Et en fait, à la fin, il y a une scène absolument horrible où, en fait, c'est une femme qui lui plante un coup de couteau dans le dos, quoi. Et elle la regarde avec des yeux, mais c'est terrible, terrible, terrible. Franchement, terrible. Mais c'est très intéressant, très bien fait, donc regardez-le, quoi. Love, Death and Robots, oui. Et je crois pas avoir d'épisode préféré. C'est ouais, Abel Ferrara, c'est pas très compliqué. Puis c'est quand même pas mal filmé, mais ça reste. Ouais, c'est surtout le sujet du film qui fait le film aussi. Et il est intéressant, il y a des séquences bien filmées, c'est bien rythmé, mais c'est en fait il y a vraiment une montée en fait progressive du film et de son comment dire de sa tension qui est effrayante. Et c'est important aussi parce que je fais enfin, mine de rien, c'est des problèmes qui sont absolument actuels et qui ne sont pas d'une. En fait, les hommes qui violent des femmes, c'est pas quelque chose qui date de Mathusalem, c'est quelque chose qui existait et qui existe encore beaucoup trop. Et l'insécurité absolue des femmes est bien à sortir de chez elles, juste à vivre, est bien retranscrite dans ce film, quoi, je trouve. C'est assez. Après, je le vis pas, donc je peux pas parler en tant que femme, évidemment. Mais on ressent vraiment la détresse, quoi. On ressent vraiment une détresse profonde. Et c'est assez terrifiant, c'est très terrifiant sur la façon dont elle change et comment. En fait, c'est ça, c'est pas elle qui est responsable, elle est pas responsable en fait, parce que le fait qu'elle soit mutique et comment dire tout simplement timide, ça comment dire surligne sa vulnérabilité en fait, qui est une vulnérabilité par rapport aux hommes en tout cas partagée par beaucoup de femmes. Et je dis pas ça de façon, comment dire, de façon tout simplement négative à l'encontre des femmes, c'est que c'est un fait en fait. Les hommes en général sont plus imposants, et du coup, elle représente vraiment cette vulnérabilité, elle l'incarne quoi, et c'est assez terrible. C'est difficile, c'est très difficile à voir. Traumas d'actrices dans les films, mais ça, j'ai pas toujours clair. Ouais, mais là, c'est assez clair en fait. C'est assez clair. Franchement, c'est assez clair. Même visage que toi. Je trouve pas. Petite pub. Eh bah, écoute, la classe. La Grande Bellezza. La Grande Bellezza. Je vais regarder, mais.
Mais du coup, ouais, MS45, c'est assez, enfin, c'est vraiment intéressant. The Great Beauty. Ah, mais oui, Paolo Sorrentino, je l'ai en. Parce que j'avais vu The Hand of God de Paolo Sorrentino déjà. Donc, il y a un truc, d'accord. Je vous crois. Mais en tout cas, c'est intéressant quand même. Franchement, c'est terrible, mais ça vaut le coup d'être vu. Ensuite, ça, c'est Pota qui me l'a envoyé. Microcosmos. Juste génial, quoi. Difficile de. Je vais pas vous. Ouais, le cul. Bon, écoute, ça arrive. Le cul. Merci, notre coco. Et là, donc, du coup, c'est juste un documentaire, tout simplement, qui nous parle d'insectes. Tout simplement. Avec des gros plans, des ralentis, des accélérations. Ouais, mais j'avoue que, Ruto, c'est difficile de parler de ce genre de film parce que c'est. En fait, en parlant voilà, de MS45, jamais de la vie je pourrais réellement comprendre ce film, en fait. Je pourrais jamais me mettre à la place des personnes. Attends, je vais remettre. Ouais. Bon, c'est. Je mets ça juste pour le fond sonore parce que j'aime bien avoir un fond sonore. Mais c'est impossible pour un homme, en fait, de se mettre à sa place. Franchement. Enfin, c'est. Et je pense que c'est extrêmement dur à voir pour une femme, en fait. Parce que ça montre des trucs qui sont terrifiants. Enfin, vraiment terrifiants. Et donc, c'est difficile de parler de ce genre de film, mais. Je trouve ça vraiment intéressant. Le cinéma et le jeu vidéo, tu prendras quoi? Le cinéma, sans hésiter. Sans hésiter une seule seconde, Raph. Mais voilà, quoi. Franchement, c'est terrible. Ben voilà, bon, ben, apparemment. Tant mieux. En même temps, sans la barbe. Le ciné ou la musique? Ben, le ciné, encore une fois, hein, j'écoute. Ah, après, je me mets de plus en plus à écouter de musique. Et là, j'ai découvert un album. Je vais vous montrer l'album, mais. Je vais le retrouver parce que je. En fait, je cherche mes albums par les trucs parce que en fonction de ce que j'écoute. Merde, attendez, ça. Ça là, September, ils ont fait du coup cet album qui est Zanya Aventura. Superbe. Superbe. Magnifique. Salut Sleepy. Ah là 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 là. Incroyable. Ça, c'est génial. Non mais la musique, c'est vital, le ciné, non. Bah, tu peux avoir de la musique dans un film, en fait. Alors que tu peux pas avoir d'image dans une musique. Après, les images font naître des musiques. Mais moi, je trouve que. En fait, j'ai le choix, donc je choisis les deux. Mais c'est vrai que je préfère davantage le cinéma, puisque c'est un médium avec lequel je suis plus, comment dire, proche. À quoi il y a je n'écoute que ça, donc très belle recommandation découverte. My job, Masayoshi Takanaka. Oh, l'autre, il croit que j'écoute pas Masayoshi Takanaka. Et oh, The Green Goblin, alors? Alors toi, Mania sans Wise Up. Non, non, mais le fait est que. Non, la musique et le cinéma sont absolument. Sont liés, quoi. Après, il y a des films qui existent sans aucune musique. Je me permets de quand même parler de. De la réelle. Si, goodbye, mais en fait, You, pardon, mais le fait d'avoir été faire des études de cinéma et d'avoir bossé avec des gens qui voulaient faire du cinéma, je me suis rendu compte que je détestais ça en fait. Il y a les guerres d'ego au sein sur un plateau, je pense qu'il n'y a rien de pire en fait. Et donc, ouais, Tsai Ming Liang qui est un de mes préférés, et ça, Goodbye Dragon Inn. Bon. Voilà, tu peux le voir ici. Il y a quelqu'un qui est au son, mais il n'y a pas de compositeur. Il n'y a pas de compositeur musical parce qu'il n'y a pas un bruit, enfin pas une musique dans le film. Enfin, peut-être à un moment, il va y avoir un petit peu de son, enfin de musique,
Mais c'est rarissime. Et ça, c'est... Mais en fait, des petits trucs... Bah, j'ai la flemme, en fait, Yu, pour être tout à fait honnête. J'ai pas d'idée, j'ai pas de lieu, j'ai pas de sujet, j'ai pas... Je prends pas le temps non plus, hein. Oui, oui, Ravded. C'est exactement ça. Non, je prends pas le temps, en fait, tout simplement. J'en ai fait quelques-uns, parce que c'est rigolo. J'ai fait des petits trucs sur YouTube, mais vous aviez vu chez Grimm il y a pas longtemps, hein. Stop motion, mais ça prend un temps monstrueux. Mais en fait, non, j'ai rien à, en fait, j'ai rien à apporter, en fait, concrètement, actuellement, au cinéma, pour le moment. Donc, je me garde. Peut-être qu'un jour, j'aurai une idée, peut-être qu'un jour, j'aurai quelque chose à filmer. Mais, ouais, mais Swank, c'est autre chose. Océan, l'un des plus beaux documentaires que j'ai vu. Océan, je crois pas que j'ai vu. J'ai cliqué sur 2019 ou 89? Probablement celui de 89, je suppose. Non? De 2002? Ah bah c'est quelque chose, Qualito. Ça c'est pas compliqué, hein, Kikivonne. Du coup, tu parles de quel des KZ? Parce que moi j'adore les documentaires, hein, très honnêtement, je trouve ça fascinant. Moi j'avais beaucoup aimé Blackfish. Je suis un petit peu finalement déçu qu'il n'y ait pas beaucoup plus de documentaires sur les orques. Parce que j'aime bien les orques, je trouve que c'est un animal absolument fascinant et j'ai bien aimé ce documentaire. Fucking humans. Mais j'avoue que je connais pas Cove. Alors ça m'intéresse. Je pense que je vais regarder ça très rapidement là, The Cove. 4 étoiles, 90 minutes. Horrible. Bon, bah, je vais le regarder alors. Je vais le regarder après là. Et Blackfish, vraiment très intéressant. Hein. Franchement, Blackfish, super. Beaucoup sur les orques, actuellement, c'est compliqué d'avoir des docus. Ouais. Folie de Wang Bing. Pas du tout. Désolé. T'es passé à côté? Océan, le titre avec un Oméga. Ah, pardon. Je relance. Attends. Attends, le titre avec un Oméga? C'est celui-ci? À la folie. Ah, mais ça me dit quelque chose. Attends. Il n'est pas sur Mubi? Till madness do us part. Oh, ça a l'air terrible. Je suis désolé, mais les trucs Wang Bing, ça me dit quelque chose. Ah ouais, non, j'ai pas vu. Tiens, c'est marrant parce que. Allez, viens. Une baleine en cover. Alors, attends. Celle-ci? Attends, c'était dans les. C'est qu'il était dans les trucs de. Oceans, ok. Ah, voilà. Ah, mais ça me dit quelque chose. Tiens, mais je vais le mettre. J'adore les documentaires. Documentaires marins, ça me fascine beaucoup. Twin Peaks pour entrer dans l'univers de Lynch, c'est très bien ou c'est plus judicieux de commencer par un des films en particulier? En fait, Twin Peaks, c'est vraiment assez. Intéressant parce que ça regroupe beaucoup des thèmes qu'aime Lynch. Que ce soit l'horreur, que ce soit l'absurde, que ce soit, comment dire, bah, l'amour, la haine. Il y a beaucoup de thèmes qu'emploie Lynch dans l'intégralité de sa filmographie qui se retrouvent vraiment presque exacerbés dans la série Twin Peaks.
avec des personnages qui existent dans un monde presque à part entière, qui est presque lunaire, et qui te fait vraiment rentrer dans un univers. Et du coup, j'avoue que Twin Peaks, c'est vraiment excellent pour rentrer dans son univers, parce que finalement, Elephant Man, c'est génial, c'est sublime, c'est magnifique, mais c'est vrai que t'es pas autant dans... T'entres pas tant dans l'univers de Lynch, je trouve. Mulholland Drive, c'est compliqué, hein. Après, par contre, tu peux aussi... Attends, parce que c'est pas... Purée, j'ai oublié le nom. Ah, bon sang, l'idiot. L'argent amer de Wang Bing, je te conseille pour entrer dans ces films. Eh ben, ça me donne envie. Ça me donne vraiment envie, premier degré. L'argent amer. Eh, pas la peine de se foutre à poil. Tiens, je le mets watchlist. T'as gagné. Je suis un mec curieux. Lost Highway. Ouais. Non, vraiment exceptionnel. Mais Lost Highway, c'est vrai que... Attends. Eraserhead, c'est compliqué, ouais. Eraserhead, c'est vraiment pas le film le plus simple pour lequel, dans les, enfin, pour rentrer dans l'univers de Lynch. Oh, Wild at Heart, c'est génial. Et Blue Velvet. Blue Velvet aussi, pour rentrer dans l'univers de Lynch, c'est génial. Franchement, je trouve que le Blue Velvet, tu as une petite introduction à cet univers de Lynch et aussi un petit peu un pré-Twin Peaks. Et il y a beaucoup de trucs qui sont intéressants à constater entre ce film-là et des films de Peter Jackson. C'est vraiment intéressant de faire des parallèles entre les deux réals, qui sont surprenants parce que pourquoi? On ne sait pas, peut-être des clins d'œil, des clins d'œil qui viennent, comment dire, satisfaire notre cinéphilie ou simplement des vrais clins d'œil intéressants et importants. C'est intéressant. Enfin, c'est juste marrant. Non, mais Blue Velvet, vraiment intéressant pour entrer dedans. Ah ouais, non, c'est vraiment cool pour ça, je trouve, Blue Velvet. Puis la bande originale, super. Donc vraiment, pour s'intéresser à Lynch, je trouve ça très bien. Donc voilà, Océan, ça, tout ça va être mis. Et donc Microcosmos, bah, j'ai rien à dire dessus, à part que c'est fascinant, en fait. Ça crée une fascination folle. J'étais juste complètement dedans, de A à Z. J'ai juste regardé, je me disais, waouh, trop bien, trop beau, trop cool. Lost Highway aussi, ouais. Fou, quoi. Complètement fou. Et puis, ouais, c'est vrai qu'il y a Kyle MacLachlan. MacLachlan. The Scrooge Mystery, c'est un documentaire sur Picsou et Don Rosa. Je crois que j'avais dû regarder un truc sur Picsou il y a pas longtemps. Les insectes, c'est super intéressant. Ah ouais, non, mais c'est vraiment super divertissant. Bon, l'affiche, c'est un classique, désolé. Désolé, mais ça, c'est une affiche classique, hein. Ouais, c'est un documentaire, absolument, Océan. Et ouais, il y a plein de choses, quoi. C'est tout. En fait, il y a tellement de choses. Y a un comment... Enfin, il y a, je crois, un commentateur. Ouais, c'est ça. Il y a un commentateur, c'est Jacques Perrin. Mais il est vraiment agréable à écouter. Et c'est en VF, c'est très agréable, en fait. C'est très peu, hein, d'ailleurs. Il y a très, très peu. Mais c'est juste très agréable, c'est surtout de la musique. Ça se rapproche un petit peu de ce que pourrait faire Werner Herzog finalement, parce que je trouve que Werner Herzog c'est beaucoup de musique. Werner Herzog il fait beaucoup de films avec des requiem, des grandes envolées lyriques, des grandes musiques très très impressionnantes à travers ses documentaires. Et du coup il y a des trucs un petit peu comme ça. Mais c'est vraiment très 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 bien, très divertissant, très agréable à regarder, je vous conseille amplement. Et totalement, quoi. Godzilla 2000 Millennium. Bon. Il est sympa. J'avoue qu'il est surprenant. J'ai changé le backdrop, je l'ai pas fait sur beaucoup de trucs. Il est sympa, mais vous voyez, c'est un peu sans plus. Le monstre est intéressant, mais la 3D du monstre, elle est dégueu. La CGI, franchement, elle fait vraiment, elle jure vraiment beaucoup. Hein. Et je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir voulu utiliser de la CGI alors que le monstre est vraiment sympa. Mais ouais, c'est. En fait, c'est rigolo, mais c'est sympa, quoi. C'est un Godzilla, c'est pas du tout mon préféré pour le coup. Là, j'ai été un petit peu. Après, il y a des trucs intéressants, mais j'ai pas vu Squalito encore.
Mais ouais, c'est. J'avoue que j'ai pas réussi à sonder ce que de quoi parlait le film au fond. Je suis juste entré dedans comme dans un simple film Godzilla. Et là, c'était plus un film d'action qu'autre chose, quoi. Mais au moins, c'était divertissant parce qu'il y avait des explosions, etc. Il y avait des trucs qui me plaisaient. Le design, ouais, d'Orga, c'est. Ouais. Franchement, sort sur Netflix? Ah ben. Ouais, les plans sont beaux. Non, par contre, il y a toujours de très très jolis plans hein, dans les Godzilla. Hein. Franchement, il n'y a pas à chier. Je trouve que l'utilisation des maquettes et la façon d'iconiser Godzilla est forte. Hein. Il y a très peu de films d'autres qui font ça. Plein soleil, je l'ai pas vu. Enfin, sans soleil, je l'ai pas vu encore, Skadrose. Pas encore, en tout cas. En fait, j'aime davantage les documentaires sur les animaux que les humains, hein, la plupart du temps. J'avoue que j'aime bien voir les choses. Et j'aime bien quand elles ne sont pas filmées d'un point de façon, comment dire, de façon romantisée. Je déteste quand on romantise beaucoup les choses, quoi. L'espace ici, ça peut être intéressant. Mais j'aime pas quand les gens, ils sont là, genre, le petit koala va pas s'en sortir. Et t'es là, genre, arrête, arrête. Vulcanologue, si, bon, ça, j'avoue que ça m'a surpris quand même. Moi, j'aime bien, bah, va te faire foutre. Petit enculé d'Happy, va. Il y en a très pour les films où c'est arrivé tardivement. En vrai, j'étais au lycée, je crois, quand ça a commencé. Je pense vraiment que. En fait, c'était fin collège, à partir de la troisième, j'ai commencé à regarder des films. Mais c'est vraiment venu tout seul. Hein. Je me suis vraiment tout créé tout seul. J'ai vraiment. Tant popo, non. Mais ouais, c'est à partir du lycée, quoi. J'ai commencé à tout regarder. National Geographic aussi, ouais, des trucs trop bien. Punishment Park, ça c'est impressionnant, Sky Rose. Mais ça, c'est du mockumentary, donc c'est encore différent, je trouve. The Fear and the Unseen sur... Ah, The Seen and the Unseen sur YouTube, un documentaire de Sarah Dossa, c'est le café Fall of Love. C'est vraiment chouette. Ok, ça a l'air sympa. Ouais, je l'ai vu aussi, Noche, Zeno. Mais effectivement, Letterboxd, c'est plutôt intéressant parce que ça vous permet à vous de trouver des gens qui regardent des films. Et si vous avez des centres... Enfin, si vous trouvez que quelqu'un regarde des films qui vous plaisent, vous le suivez et vous dites, bon bah, il regarde des films que j'aime bien, donc je vais continuer à regarder les films qu'il regarde, quoi. Et continuer à le suivre. Puis même des fois, c'est vraiment toujours l'occasion de découvrir des trucs, quoi. Ah bah c'est déjà dans ma watchlist depuis longtemps. Mais c'est toujours l'occasion de découvrir des films, quoi. A Sinat de Si, oh putain, et au Cinoche en plus. Combien de films au ciné par an? Ça dépend de ce qu'il y a. Des fois j'y vais très peu, des fois j'y vais beaucoup. Franchement, ça dépend énormément. Quel genre de film? Ah bah j'ai commencé classiquement, hein. J'ai commencé classiquement par tout ce qui va être les Martin Scorsese, des Spielberg, etc. Et après, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à comment Wong Kar-wai, puis ensuite Bong Joon-ho, puis ensuite Shinya Tsukamoto. Sacré décalage. Mais Akira Kurosawa, etc. C'est petit à petit, quoi. C'est vraiment, ça a pris du temps. Puis j'ai commencé à vraiment beaucoup aimer le cinéma asiatique. Takashi Miike, etc. Je ne saurais pas dire, Brownies, j'ai absolument pas. Je suis quasiment incapable de donner mes réels préf, parce que j'aime. En fait, le truc, c'est que je regarde tout le temps des films différents de réal et que chaque réal peut avoir des films exceptionnels. Ouais, Inception, ça a été dans les premiers films que j'ai vus, hein, mais pareil pour Interstellar, etc. Mais non, c'est vrai qu'Inception, c'est quand même un des plus grands films de l'histoire, quoi. Le plan de la toupie finale. Sans sas. Sans sas. Pareil, Texas au Cinoche, ouais. Après, je l'avais vu il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, j'avoue que j'ai du mal à retourner voir un film que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Sauf quand c'est Lynch. J'avoue que j'ai revu Firework with Me la même année que je l'avais vu. Et putain, le bonheur. Bonheur atomique. Bonne nuit, Darky. Firework with Me au cinéma, c'est une expérience, mais lunaire, quoi. Plein de fanatiques, j'aurais jamais regardé ce de moi-même. Ben moi, c'est aussi mon objectif, Sofiane, c'est de faire découvrir aux gens des films, hein, surtout. C'est pour ça que j'essaie de dig vraiment. Je suis vraiment plus et souvent dans le digging à fond. Genre, j'essaie vraiment d'aller chercher des films que les gens n'ont pas vus, que personne que je connais n'a vu, pour me dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et pouvoir ensuite aller diriger les gens vers des films moins connus, parce que ça m'intéresse d'aller faire découvrir des trucs, quoi, et même de découvrir moi-même. C'est un petit côté archéologue, quoi. Quand je suis tombé sur Lam Gaikai, que je suis tombé sur Ghost Snatchers, je me suis dit putain mais il faut que plus de gens voient ça quoi. Il faut que plus de gens voient ce film. Il faut que ce film soit vu par plus autre que moi quoi.
Ah ouais, non, mais c'est grandiose. Hein. Et au cinéma, c'est pas goût, c'est encore mieux. Franchement. Ah, Blade Runner au cinoche, je connais des gens qui l'ont vu il y a pas longtemps. C'est. Trilogie de la Vengeance. Ah, c'est trop cool aussi. Ah bah oui, mais à Paris, il y a beaucoup de trucs où ça repasse du par Sean Mook. Et le film, c'est Ghost Snatchers. Ghost Snatchers. Et du coup, ouais, Microcosmos, regardez-le. Ça va faire kiffer. Allez hop. Godzilla 2000 Millennium, bon, ça peut se passer. Vous pouvez vous en passer, quoi, si vous n'êtes pas dans les Godzilla. Vous pouvez vous en passer. Mad Max Fury Road. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous parler de Mad Max Fury Road, quoi? L'affiche de taré, hein. Elle est sublime, cette affiche. C'était en Bretagne? Ah ouais, putain. Ian Loss. Oh, la classe. Non, c'est bluffant, juste. Hein. C'est juste absolument. Ouais, l'affiche, elle est magnifique. Hein. Non, c'est absolument fou. Hein. À chaque visionnage, c'est du choc. Oh, j'ai vu dans. Moi, ce qui me choque dans les films, c'est les cascades. Mais quand les cascades ressemblent pas. Enfin, ça se voit que c'est pas des cascades. Dans les Sept Samouraïs, y a eu un moment. Il y a un mec qui se fait percuter par un cheval, mais il se fait mais jeter sur le côté. Je l'ai vu. Parce que je suis très attentif aux cascades. Dans les films, parce que ça me fascine en fait de voir les chorégraphies, etc. Et putain, le mec qui se fait mais vraiment mais dégagé par le cheval. J'ai eu un. Genre vraiment, j'ai vraiment cette. Je peux pas m'empêcher. Il y a beaucoup de scènes comme ça où je lève la main. Ça m'a choqué quoi. Même dans Mad Max le premier, il y a des scènes où il y a un motard il se fait rouler sur la tête par la moto. Mais ça me. Oh là 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 là. Franchement, il y a des scènes, ça me prend à la gorge, honnêtement. Mais ça, c'est trop bien, ça, Wamphir. Hein. Et ça, c'est Mad Max Fury Road. Noir et blanc, je l'ai pas vu, Isaline. Je voulais aller le voir, mais j'ai pas pu. Tombe de sa moto dans Furiosa, ça m'a fait rire. Ouais. Is Motorbiker Island, bah, c'est magnifique, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Mais du coup, voilà, Mad Max Fury Road, pas besoin d'en parler plus. Hein, c'est absolument magnifique, il faut le voir. Hein, c'est grandiose, quoi. C'est impressionnant ce qu'il a fait. Hein, franchement, c'est absolument impressionnant ce qu'il a fait, George Miller. Créer un film d'action pareil, aussi dantesque, aussi impressionnant, aussi jouissif et orchestral, quoi. C'est un véritable orchestre, quoi. C'est une symphonie folle. Complètement folle. Je me suis enseigné les Mad Max, hein, tout de même. C'est les derniers jours de mai. J'ai enchaîné donc avec le Mad Max le premier Mad Max. Qui franchement a des trucs sympas. Avec par contre une fin qui est un petit peu décevante. Mais du reste, franchement. C'est sympa en fait de voir le début de la folie. Comment dire, comment elle s'installe, comment elle s'insère chez les gens, comment chez Max, en fait, ça arrive, comment il commence à devenir fou, en fait. Comment un monde a pu transformer un mec qui était juste un conducteur de voiture, mais qui avait quand même une âme, en un mec complètement taré, quoi. Bah, il n'est pas fou, Mad Max, enfin Max, le film au début. Hein. Il devient vraiment fou des conséquences de ce qui se passe, quoi. Il devient complètement taré. Megapolis, on verra. On peut regarder dans le désordre les Mad Max. Bah, vaut mieux regarder 1, 2. Enfin, après, tu peux regarder Mad Max Fury Road à côté. Furiosa à côté également. Mais je trouve que vaut mieux regarder Mad Max 1, 2, 3. Les trois sont de pair. Sinon, et Mad Max et Fury Road et Mad Max enfin, et Furiosa, Mad Max Story, les deux vont ensemble aussi. Donc, le 3, moi, il m'a fait marrer parce qu'il y a des trucs sympas. Le 1 est sympa aussi. Hein. C'était un policier de base, ouais. Le 2 va plus loin, oui, beaucoup plus loin. Puis le 2 instaure vraiment le côté désertique qu'on va retrouver surtout dans Mad Max Fury Road. L'aspect très, comment dire, ratchet, récupération. Ouais, mais le côté nanar, moi j'aime beaucoup, personnellement. Je suis un peu un gros fan de nanar, personnellement. Le 2, vraiment très très bien. Franchement, génial. Il y a des scènes assez folles. Et Beyond Thunderdome, il est moins bien, ça c'est clair. Mais il y a des trucs vraiment trop cool dedans quand même. Faut que je le revoie. Puis je suis un fan de Nanar. Nanar. Nanar.
Tina Turner dans le 3, c'est vrai. Ah, la folie. Non, non, c'est impressionnant. C'est une saga qui a été très bien gérée. Dans le 2, je crois, ouais. Un nanar, c'est un mauvais film en quelque sorte. Mais c'est un mauvais film qui est tellement mauvais et tellement raté qu'il en devient extrêmement drôle. Et c'est surtout un film bourré de bonnes intentions, quoi. La cover est très belle, ouais. Un navet un peu, mais en plus nul, quoi. Mais au moins, c'est drôle, quoi. C'est pas juste un navet. Planète des singes original, absolument. And Beyond the Thunderdome. Voilà. Et donc, Furiosa et Mad Max Story. Mad Max Saga. J'avoue que... Au sortir de la salle, le problème, c'est que j'avais vraiment vu Mad Max Fury Road trop récemment avant, quoi. En fait, juste 4, ouais. Ouais, non, mais ça va augmenter. Mais j'ai pas rechangé la note, mais au sortir de la salle, j'avais un sentiment horrible parce que... non, j'ai pas vu Molial. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je venais de voir Mad Max Fury Road, en fait. Et en fait, le problème, c'est ça. C'est que je m'attendais à quelque chose dans la même veine. Alors qu'on est sur un film vu par Furiosa, quoi. Furiosa qui n'est pas du tout l'esprit... qui n'a pas du tout, comment dire, la mentalité la même que Max, en fait. Elle n'est pas du tout pareille que lui. Et du coup, le film, il est de son point de vue. Il n'est pas du tout du point de vue de Max. Et c'est ça qui change complètement. Et en fait, il m'a fallu du temps, en fait, au sortir de la salle, mais... Ce que j'ai adoré, j'ai trouvé ça très bien écrit, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la scène finale. En fait, j'ai adoré le film. Mais il y avait un côté de moi qui était déçu parce que Mad Max Fury Road, juste avant, je l'avais revu. Et parce que je m'attendais à ce qu'il y ait des scènes de fou, en fait. Des scènes de taré avec des scènes de poursuite et fou. Et poursuite et tout. Poursuite et fou. Pourquoi j'ai dit poursuite et fou? Poursuite et tout. Et franchement... Ouais, le film est génial, quoi. Le film est vraiment génial et ma note va augmenter. Et ouais, non, même les longueurs ne sont pas présentes, c'est faux, je trouve. Mais en fait, le truc, c'est que regardez pas Mad Max Fury Road avant de le voir, en fait. C'est une erreur, finalement. C'est une grosse erreur que j'ai faite et je m'en veux, en fait. Je m'en veux, en fait. Peut-être il me faudra ouais, un deuxième visionnage, mais j'avoue que le premier visionnage, en fait, c'est mes propres attentes qui étaient biaisées. Mais par contre, la scène finale quand il y a la voiture, super. Ah ouais, non, Chris Hemsworth, super. Super son jeu. Vraiment, j'ai adoré. Bah, c'est plus narratif, mais même la relation avec le mec qui est son mentor et... Père de substitution, je le trouve vraiment bien. Hein. Au début, j'ai du mal, mais finalement, j'arrive à vraiment accrocher à cette relation alors qu'elle était bizarre. Mais là, ouais, non. En fait, c'est vrai que l'un et l'autre n'ont pas de rapport. Donc, du coup, c'est intéressant. Stéphane Moïsakis, le boss. Donc, franchement, regardez-le à tête reposée sans avoir effectivement cette... sans être à travers le prisme Mad Max Fury Road. Dushka. Je suis là. Bon. Maxine, X et Pearl. Bah, j'avoue que j'ai trouvé assez naze X et Pearl. Donc Maxine, bah, je le regarderai en streaming, quoi. Pas autrement. Ouais, c'est vrai. Pour le coup, c'est vraiment lui, Sniper. Même, comment dire, même Kojima l'a dit. Il a vraiment la même tronche. Donc, ouais, je trouve vraiment naze, moi, les films avec Mia Goth. Donc, Maxine, ça ne m'intéresse absolument pas, quoi. Désolé. Comment ça, il a dit quoi? Il a juste dit qu'il ressemblait à Snake dans Metal Gear, quoi, Happy. Godzilla, il n'y a pas d'ordre pour les mater. En fait, Godzilla, en soi, il n'y a pas d'ordre parce que chaque film, en fait, intègre un méchant. Et à part, bon, les sagas
Qu'est-ce qu'il y a qui pourrait être connecté? En vrai, non. En fait, le truc, c'est que tu peux vraiment les regarder dans l'ordre que tu veux, à part les films américains, parce qu'ils sont obligés de faire des suites, parce que sinon, ils sont incapables de faire des films où les gens ont envie de les voir, parce que t'es obligé d'aller voir le premier pour voir le deuxième, etc. Mais ouais, il y a les eras, en fait. Tu peux regarder par era, mais c'est... Tu peux vraiment regarder dans l'ordre que tu veux. Mais par contre, des films qui sont connectés en quelque sorte et qui sont géniaux, c'est les Gamera. Gamera 1, 2 et 3. Enfin, surtout le 2 et 3. Mazette. Cinéma coréen, génois ou japonais? Pff, les 3, hein. Testament du docteur Mabuse. Non, les 3, franchement. Les 3 sont incroyables. Hein. J'aime tout le cinéma, en vrai. Hein. J'ai pas de préférence. Le cinéma coréen a ses points forts, le cinéma japonais aussi, le cinéma chinois aussi. Enfin, en fait, le truc, c'est que comme c'est des points forts qu'ils ont, qui se retrouvent dans d'autres cinémas, dans tous les cinémas, en fait, ils sont... c'est juste qu'effectivement, certains, ils sont plus en point de certaines choses, quoi. La seule chose qui se différencie, c'est la façon dont la... Donc, comment dire, la culture du pays se reflète à travers le film et aussi sur les sociétés, etc. C'est... Imamura, je crois pas, attends, je vais vérifier. Ah bah, action hongkongaise, par contre, là. Alors là. En fait, l'action hongkongaise, elle est ultra chorégraphiée et absolument jouissive. Et l'action japonaise, elle est absolument folle et déjantée. En fait, c'est deux types d'actions différents, mais qui donnent envie. Black Rain, il me donne faim, ce film. Faut que je le regarde. 123 minutes. En fait, faut juste que je prenne le temps. Hein. Je suis désolé, il y a beaucoup de films que j'ai pas vus. Faut que je prenne le temps. C'est dans mes watchlists, évidemment, mais je regarde, quoi. Speed Racer, la 3D est originale. Ah ouais, génial, même. Plus grand pays du cinéma. En vrai... Ils ont l'âge d'or du cinéma japonais qui est absolument fou, quoi. C'est absolument dinguissime ce qu'a fait Kurosawa. Ça a l'air sans sas. Mais on peut pas nier que le cinéma chinois a des films absolument tarés, quoi. Que le cinéma, coréen... Que... Le truc, c'est que c'est pas... Y a pas... Moi, je trouve pas qu'il y ait de trucs ultimes. Parce que le cinéma français a des trucs mais absolument fous, quoi. Le cinéma anglais, le cinéma russe, tous les trucs... Franchement, il y a tout, quoi. Donc, c'est compliqué de dire ça, je trouve. The Hill. Et tous ces films, ils donnent envie. Tiens, on dirait un acteur qui a joué dans... Oh, je l'ai reconnu direct. J'allais dire, il a joué dans Cure. Et il a joué, du coup, aussi dans Perfect Days. Oh, je l'ai reconnu direct. Mais j'ai l'œil, hein. I've got the eye. Derzu Uzala? Non. Je vérifie. Eureka? Ça existe pas, Derzu Uzala, tu te fous de ma gueule? Derzu Uzala? Moi, j'ai vu Dodes Kaden. Ah. Bon, allez, je mets en watchlist. Je suis un malade de la watchlist, moi. Toi qui m'as fait les liens. De Derzu Uzala, tu te fous de ma gueule ou quoi? Quoi tu parles, Happy? T'arrêtes, ce mec. Je te jure que non. La watchlist, c'est des milliers de films. Hein. Je sais pas, je suis à combien de films, là. 1400 films. Voilà. Mais ça, Derzu Uzala, ok. Mais Dodes Kaden, déjà, l'affiche, elle est trop cool, je trouve. L'affiche du film, elle est trop bien. Et... Je le trouve trop cool, en fait. Genre déjà l'affiche est trop cool, mais en fait elle présente un jeune homme, tout simplement un jeune homme, qui est lui, qui est probablement autiste et qui a comme fixation les trains. Et c'est tout ça qui se passe, tout ça se passe dans un slum en fait. Je l'ai vu où ? Je l'avais en DVD. Et en fait c'est juste, voilà, ça se passe dans un slum, mais on suit juste des gens dans un...
dans un taudis, quoi. Enfin, dans un slum, littéralement, quoi. Et chacun. C'est trop bizarre. Ouais, c'est presque film choral, mais il y a plein d'histoires qui se passent en même temps. J'ai passé un moment magnifique, quoi. Après, il faudrait que je le revoie, mais. Pour toi, le rôle principal? Non. Un bidonville, ouais, c'est vrai que slum, j'emploie le slum, mais c'est vrai que bidonville. Puis cocher un film aléatoire dans ta watchlist, le maté où tu choisis à chaque fois. Ah, je prends aléatoirement, des fois. Enfin, non, aléatoire, je fais peu, mais j'avoue que je cherche souvent, c'est les affiches, quoi. Donc vraiment, ça vaut le coup. C'est assez impressionnant. Mais du coup, ouais, Imamura, je regarderai. Montrer les affiches de Phantom of the Paradise. Bah, pas de soucis. Attends, déjà, je vais cliquer sur ça et on va aller regarder. Pour parler du dernier film de la journée. Phantom of the Paradise. Et B. Et B, merci Nao. Et B, et demain. Oh putain, t'es dit demain. Bon, déjà, celle-là, elle est bluffante. Quelque chose qui a évidemment inspiré que ce soit Griffith pour le casque, ça se voit, je trouve quand même, hein, j'invente rien. Dark Vador, ça se voit, je trouve, j'invente rien. Daft Punk, ça se voit, je trouve, j'invente rien. Stupéflip, ça se voit, je trouve, j'invente rien. Non mais les affiches de tarés. Celle-là aussi, elle est folle. Hein. Mbappé, ça se voit, je trouve. Ah, celle-là, je la trouve pas belle. Celle-là, elle a un côté très cool. Celle-là, elle est folle. Ah non, j'aime pas du tout le côté. Bah, la couleur empruntée. Celle-là, je la trouve plus jolie parce qu'elle est plus terne. J'aime pas la façon de. Ah ouais, la scène où il retrouve la voix, c'est. Hein, les affiches sont folles. Hein. Bah, les néons sont moches. Celle-là aussi, elle est très jolie. Hein, avec évidemment le swan. A swan. Eh ouais. Non, non, mais. J'avoue que celle-là, elle est tellement classique. Mais j'avoue, je vais mettre celle-là. Ah mais c'est déchirant. Bah tiens, il n'y a pas de backdrop. Ah, il est impressionnant cet acteur. Le costume est fou, quoi. Le costume est absolument fou. Finley. Des fois, il y a des. C'est quoi ce classique? C'est quoi ce film qui met l'air classique atomique? Il faut un coup de patron, Roustache. Roustache. C'est quoi ce classique atomique? Psychotic Redneck, on s'est dilapidé de. Wow! Putain! Merci, Mister Paf! Mais c'est 40 euros par an, Squalito. Moi, j'ai pris, hein. Après, 40 euros, ça peut être beaucoup pour certains, donc je ne me permettrai pas de juger. Mais non, ça m'a l'air d'être sans ça, ce truc-là. Y a des affiches qui sont. En fait, moi, c'est facile de me faire. Mais il a joué dans pas mal de Tobe Hooper, hein. C'est très facile de m'alpaguer avec juste des images, enfin des affiches. Apparemment, celui-ci, il n'est pas foufou. Le dahlia noir. J'ai pas vu. Truc de crocodile, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. Hein. En général, sur ces films-là. Ah, autant pour putain de moi, en fait. Oh, celle-là, elle est cool. Très cool. Elle me fait penser à une affiche de Christine. Bon, Babe, j'ai ce que j'ai besoin d'en parler du classique Babe. Je pense que pourtant, on a déjà beaucoup plus parlé que moi. Une affiche polonaise. Voilà celle-ci, ça me fait penser à celle-ci. L'affiche, comment dire, du film polonais. Celle-là, elle est foche, hein, folle. Hein. Celle-là, elle est folle. Hein. Elle est impressionnante. Hein. Tiens, je vais la changer, je vais mettre celle-là, mais celle-là, elle est impressionnante. Hein. Du coup, ça me fait penser à ça, du coup, aussi.
Celle-là aussi, elle est trop cool. Celle-là, elle est vraiment sympa. Hein. J'aime bien l'idée derrière le truc. Eternal Life. Ça va. Death Trap, Legend of the Bayou. Il a 1000 titres, le film. Eternal Life, Legend of the Bayou, Horror Hotel, Starlight Slaughter. Putain. Décidez-vous, mais enfin. Ouais, je regarde un dernier, alors. Demandez au sol de scène. Ah, en VO. Moi, je regarde tout en VO, en vrai. Je l'ai même pas vu. Ah, il n'y en a pas beaucoup, hein. Classique. Très joli également. En fait, comment je review? Je review sur l'instant et parfois. Je compare, quand un film est inclus dans un genre, je compare aussi à des films qui sont dans le même genre, quoi. J'essaye en général de créer des cohérences, quoi. Tu vois, si par exemple un film est meilleur que d'autres films qui officient dans le même genre et qui emploient des trucs similaires, bah là, je vais comparer, en fait. Mais sinon, c'est souvent aussi, je le prends dans son ensemble et dans son individualité. C'est-à-dire que, par exemple, pour Babe, enfin, c'est impressionnant en fait. Je trouve la façon de comment c'est inventif, comment c'est divertissant, comment on crée autant de comment dire de pathos autour des petits animaux. Ils sont super touchants quoi. Babe, il est génial. Le conformiste, je crois pas l'avoir vu du tout. Mais pardon. Mais du coup, ouais, c'est vraiment juste bien filmé. Les films en streaming, je regarde sur Stremio ou alors Mubi ou alors archive.org. En VF, mes oreilles fondent. Pas forcément, il y en a qui sont sympas, je trouve, Squalito en VF. Ça va être en Osaka. Mais j'avoue que quand même, la plupart du temps, j'ai du mal. À cause du lip-sync, en fait. C'est le lip-sync qui me dérange souvent. Et du coup, bah, Babe in Big in the City, c'est génial, quoi. C'est super inventif, c'est très bien réalisé. Il y a des plans. Géniaux en fait, tout simplement, parce que le réel qui est George Miller, il n'hésite pas à créer autant de. À vraiment pas, comment dire, se priver d'être élégant dans sa mise en scène. Stremio, ouais. En fait, il se prive pas de faire une mise en scène élégante parce que c'est soi-disant un film pour enfants. Et je pense qu'il a totalement raison de pas, comment dire, se priver, de pas se réduire en termes d'effets et d'efforts, que ce soit de mise en scène, de comment dire de cadrage. C'est il se résout pas à en faire un film médiocre pour la simple excuse que c'est un film qui n'est pas fait pour les adultes en quelque sorte. Mais t'as des plans qui sont vraiment trop cool avec des iconisations de personnages. Je trouve que d'ailleurs la synchronisation labiale des animaux est assez intéressante. Mais t'as des plans comme ça, quoi? Ouais, Cillian Murphy, il a l'air trop chiant, ce mec. Télécharge. Ouais, Stremo, ça se télécharge. Babe, ouais. Le premier était cool aussi. Hein. Mais t'as vraiment des plans qui sont. Puis c'est très amusant. Hein. Franchement, il a vraiment un sens de l'humour. Tes plans, ils sont trop cool, quoi, sans déconner. Attends, je vais tous les mettre. Attention au classique plan. Mais ouais, ça fait peur à des moments aussi. Je trouve qu'il y a un moment où j'étais vraiment. J'ai eu très peur. Déjà, la première scène avec Thelonious, qui est. Celle-ci, il le montre en grand méchant, quoi. Ça semble vraiment être un méchant. To be or not to be, non. Add-on pour Stremio, Torrentio, The Pirate Bay et Open Subtitles. Et Torrentio, il faut le télécharger sur Internet et pas sur. Pas sur comment ça s'appelle sur l'appli. Parce que The Pirate Bay, tu peux télécharger sur l'appli. Moi, c'est Babe le premier, je l'avais en cassette et le 2, je l'avais pas. Une araignée qui écrit avec sa toile. Peut-être dans le 1. Je me rappelle plus dans le 2.
mais le film est très bien réalisé. Il y a des trucs vraiment marrants. Je trouve le singe qui a un casque sur les oreilles, c'est un classique déjà. Il écoute, je sais pas ce qu'il écoute, mais là, cette scène, elle est dingue. Genre, il est là, comme ça, il se tient debout. Je trouve que c'est des trucs de fou, quoi. Je trouve que c'est des trucs de fou, en fait, en termes de mise en scène. La lumière, la façon de l'iconiser, c'est... Cette scène-là, elle m'a mis la larme à l'œil. Honnêtement, elle m'a mis la larme à l'œil. Je me suis dit, mais c'est dingue de faire ça, quoi. Dans un film pour enfants, c'est super intéressant, quoi. C'est super, super cool. Ça, bon, ça m'a fait exploser de rire parce qu'on dirait que le singe, il regarde ses nichons. Je suis désolé. Pourquoi il regarde son décolleté? Espèce de pervers. Mais c'est un singe, le singe du siècle, quoi. Genre, je sais pas, je suis désolé, mais... Et puis, il y a des jolis moments comme celui-ci, quoi. La finalité de cette scène, elle est très jolie, quoi. Oh. Bon sang, ça fait déjà plus de 2 heures. Ah ouais, ça fait 2h40. Bon sang. Thank the pig. Thank the pig. La voix qu'il a, oh là là. Et donc, vraiment... Génial, quoi. Enfin, c'est super beau, cette scène, la fin. Elle est très jolie, c'est très propre. C'est très touchant, quoi. C'est un film qui est vraiment très touchant. Et la toute fin, elle est vraiment jolie. C'est Babe. Babe, Pig in the City. Là, pour le coup, les affiches, il y en a très, très peu de très jolies. C'est très rigolo aussi, la description de la ville. Parce que c'est vraiment un amalgame de toutes les villes, la ville dans Babe. Bon, là, il n'y a pas un seul poster qui est vraiment joli, hein, je suis désolé, mais... Les posters se ressemblent absolument tous. Il n'y en a aucun qui soit vraiment mieux que les autres. Pourquoi notre affiche, elle est si sombre comme ça? Et moi, je me rappelle surtout de Babe pour une seule scène. Nice. Ah, Babe. Song. Pour... Je me rappelle de Babe pour ça. Hein. Pour moi, Babe, c'est ça. Et c'est lonely, I am so lonely. Je suis sûr, c'est un classique. Mais cet enculé d'Olivia là, il a filmé toutes les scènes de Babe avec son... Regardez ce fils de pute! C'est le même qui a filmé... Hop, oh, je vais pas tout regarder... Non, pardon. Pourquoi il filme comme ça? La façon de filmer, mais je... Putain, mais je vais pas la retrouver. C'était genre... C'est ça? Comment ça s'appelle, c'est déjà cette musique? Lonely, I am nobody. No, 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 no. I'm on my own. Ah, mais nous, c'était des VHS Rive aussi, hein, que mes parents ils avaient. Babe. Lonely. Mr. Lonely. Je vous jure, c'est dans ça, hein.
Jurez-moi, il n'y a pas ça dans Babe. Fou quoi. Je suis persuadé en fait. Genre pour moi c'était vraiment les souris dans Babe qui font lonely. Parce que sinon, je sais que c'est... Ah, c'est dans Alvin et les Chipmunks. Ok, alors. Ok, j'étais persuadé que c'était dans Babe. Ok. Bref, on termine ainsi le mois de... Le mois de mai. Et ça, ce sera pour le mois de juillet. De juin. Donc, je... Je vous garde ça. Putain, 2h50, la vache. Je m'attendais à faire moins, mais... Babe, quoi. Classique. Bref. Très agréable live. Très gros travail effectué. Plus qu'à comment... poster la VOD. Et live demain matin? Non, probablement pas, parce qu'il y a encore les JO, et là, demain, c'est la journée de Teddy, donc attention. Hein. Demain, on se retrouve chez Pota. Demain, c'est Teddy. Allez, Teddy. Teddy, une médaille d'or au judo français, s'il vous plaît, si possible. Normalement, c'est à partir de 10h, je crois. Oh, merde. Ah, il y a un monde. Il y a un monde. Il y a un monde. Mais ouais, n'hésitez pas à me suivre sur Letterboxd, hein, vous aurez tous mes trucs quoi. Bref, bonne soirée à tous, ciao et hasta la próxima vez. Et du coup, ouais, site regarder des films gratuits, il y a, je crois qu'il y a des Topo, Flix TV, Tubo ou un truc comme ça, archive.org, il y a YouTube.